Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Quelle Époque, votre talk show du samedi soir sur France 2. Le public est content d'être là ce soir? Ben, pas mal. On accueille tout de suite notre invité permanent, le virevoltant Christophe de Chavannes. Bonjour. Et bonjour à vous. Merci. Si, suffit là. Ah là là, cette entrée là, cette année, c'est incroyable. Non, mais je me souviens. Oh, on n'est pas au foot, les gars, on n'est pas au foot. Elles sont bonnes ces entrées. Hein, je sais pas. Elles sont bonnes ces entrées. Alors non, le jour je me suis fait un peu genre, ouais, il est ridicule, il en fait trop. Donc là, j'ai voulu faire soft, tranquille, dire bonjour à ceux qui nous regardent, qui sont là et qui nous font le plaisir d'être là. Très bien, mais j'ai voulu la faire un petit peu plus peinard. Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Non, parce qu'on m'a envoyé une petite photo. Ah, on m'a envoyé une petite photo, j'ai pas compris. C'est celle-là, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous faites des vins debout? Le garçon à gauche s'appelle Guillaume, le réalisateur, et le phoque derrière, car... Non, rigolez pas, c'est son surnom. C'est un type absolument formidable qui s'appelle Steve Nart, avec lequel je suis allé en immersion pendant 3 jours dans la mer du Nord, et je peux vous dire que c'est frais. C'est très frais, mais j'ai tout fait. Ouais. J'ai même mangé son... On a hâte de voir ça, c'est pour un reportage, pour une émission, n'en dis pas plus. Ah si, on peut le dire, c'est pour une émission qui sera en prime time sur France 2, que vous allez présenter. Avec vous, vous serez là aussi. Ah ben oui, enfin, je viendrai apporter mon écho. Ouais. Et je suis allé en immersion avec cet homme qui est un type extraordinaire. Et c'est une très belle émission. Ce sera en novembre et ce sera sur les océans, pour protéger les océans. Et du coup, vous êtes allé tourner pour cette émission. Pour montrer surtout que les océans peuvent faire beaucoup de bien à la vie. Comme chaque samedi, on retrouvera Philippe Cavrivière, le sociologue, politologue que tout le monde nous envie avec ses deux rendez-vous, le fil Paul et le fil Actu. Et puis mon petit Paul, comment il va mon petit Paul? Ça va et vous? Salut Léa, bonjour tout le monde. Ça va? J'ai mal lancé. Ah, regardez. Je suis nulle en lancer. Allez-y. Ah, vous êtes bon. Ouais. Ah, c'est joli. Joli, joli. Regardez. Je le relance ou pas? Ouais. Christophe, tu le veux? Bah, je regarde, vas-y. Non, il y a des verres. Non. Bon, allez, tout le monde est prêt? On y va, à Quelle Époque, saison 2, épisode 4, et voici le sommaire. Il a écrit pour Johnny, pour Florent Pagny, pour Zazie. On a tous grandi avec ses tubes, de Lucie à Savoir Aimer en passant par Allumer le Feu. Il fête ses 30 ans de carrière avec un nouvel album très réussi et une tournée événement. Le prince de la chanson française, l'un de nos meilleurs compositeurs, Pascal Obispo, passe la soirée avec nous. Son prénom a fait la une des journaux il y a 13 ans dans une affaire qui a fait scandale dans le foot français. Elle avait à peine 18 ans. Depuis, elle est devenue femme d'affaires, mannequin, actrice et surtout une femme libre. Elle est à l'affiche d'un film tendre et émouvant qui sort mercredi. L'air de la mer rend libre, bien plus qu'un physique. Zaya Dehar est dans Quelle Époque ce soir? On n'a parlé que de lui, ou presque, cette semaine, comparé par la France Insoumise au collaborateur nazi Jacques Doriot. Il essaye de marquer sa différence, ça agace certains à gauche, ça enchante les gens de droite. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, s'explique dans Quelle Époque. Elle est l'humoriste la plus engagée de France, certains disent même la plus courageuse. Elle tape sur l'extrême droite, sur l'extrême gauche, sur les djihadistes, sur les féministes, bref, tout le monde y passe. Elle nous raconte son monde d'après, son nouveau spectacle au studio des Champs-Élysées à Paris. La très talentueuse Sophia Aram passe aussi la soirée avec nous. Et puis c'est un des visages du samedi soir que vous connaissez bien. Il publie le premier tome de son journal intime, 1200 pages de portraits mordants, vifs et parfois impitoyables sur toutes les personnalités qu'il a croisées, de Michel Houellebecq à Nicolas Sarkozy en passant par Éric Zemmour. Et vous. Et oui, il en parle. Comme d'habitude, avec lui, ça clash à tous les étages. Préparez-vous, Yann Moix est avec nous ce soir. Et on accueille tout de suite une princesse orientale, la plume la plus acerbe du PAF, l'humoriste la plus engagée de France et l'homme politique de gauche préféré des gens de droite, Zaya Dehar, Yann Moix, Sophia Aram, Fabien Roussel. Bonjour. 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 Bonjour.
Bonsoir Fabien Roussel. Bien. Sophia Aram, bonsoir. Bonsoir Léa. Merci d'être là, oui, tous. Et d'abord, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, je vous demande une ovation pour le taulier de la chanson française. 30 ans de carrière, près de 20 millions d'albums vendus entre ceux qu'il a composés pour lui et ceux qu'il a composés pour les autres. Il nous interprète ce soir un extrait de son tout nouvel album, Beaucoup Mieux, Comment s'aimer, Pascal Obispo. Tout ça la plus grande importance depuis les rivières ont coulé. Mais chaque fois que j'y repense, j'ai bien aimé comment s'aimer. Marcher était un pas de danse, et je crois qu'on marchait sur l'eau. Il me reste cette évidence. J'ai bien aimé comment s'aimer. Chaque jour, peut-être un jour de chance. Chaque mois peut-être un mois de mai. Mais comment savoir à l'avance? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Depuis, j'ai eu des joies immenses et des peines à peine voilées, mais sans chercher l'équivalence. J'ai bien aimé comment s'aimer. De quoi est faite l'existence? Que reste-t-il à l'arrivée? S'il faut sauver quelques séquences, je garde celle où l'on s'aimait. Chaque jour, peut-être une naissance. Un printemps sans cesse renouvelé. Mais au-delà de l'attirance, comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Chaque jour, peut-être un jour de chance. Chaque mois peut-être un mois de mai. Encore faut-il saisir l'urgence de savoir comment s'aimer. Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Oh, comment savoir comment s'aimer? Comment s'aimer? Bravo. Bonsoir Pascal. Ça va, je vous en prie. Pascal Obispo est avec nous, mesdames, messieurs. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pascal. J'ai envie de vous poser la question directement à tous. Comment savoir comment s'aimer? C'est une question, justement. Et alors? Vous avez la réponse? Moi, je pose si la question. Si on s'aime vraiment, on le sait. Ah. Quand on aime vraiment, on sait comment aimer correctement. C'est instinctif. Ah, on va parler si d'amour avec vous, Zaya, tout à l'heure, parce que vous avez pas toujours dit ça. Hein. Il y a quelques mois, vous en avez bavé aussi sur l'amour. Oui, parce que c'était pas un vrai amour, c'est pour ça. Mais vous croyiez que c'en était un? C'est ça, je t'ai trompée, je t'ai manipulée. Eh oui, donc il faut faire attention, vous voyez, par rapport à ce que vous venez de dire. Même quand on croit qu'on est amoureux, il faut faire gaffe. C'est vrai. Hein? Moi, j'ai l'impression que c'est à la fin que ça se passe, qu'on sait, non? Oui, tu vois quand c'est fini. Ah ben ça, c'est son cas. Yann Moix. Non, mais Yann Moix, il tombe amoureux
à la fin, quand ça se termine, il se dit « Ah, en fait, je l'aimais bien bah, ». Non, c'est plus compliqué parce que... Les bases. C'est la base. C'est les bases, enfin. Non, mais c'était à la fin de l'amour, à la fin de l'histoire, après les intempéries, après tous les problèmes. C'est vous, Zaya ? Après une vie. Oui, c'est ah, votre nom me disait quelque chose. Non, mais c'est vrai, je ne savais pas que c'était elle. J'ai beaucoup c'est entendu vous? Parler de vous. Mais Zaya, vous, avec les... Zaya. Avec le foot et tout ça, là. Oui, l'affaire Zaya. Ah, c'est vous ? Ah, ben, bah, je suis ravie de faire votre connaissance. Fabien Roussel, vous savez, vous ? Vous savez comment savoir comment s'aimer ? Moi, je suis éperdument amoureux de ma femme. Je sais comment je l'aime, je sais que je l'aime. Et ça fait 16 ans que ça dure. Et ça ne s'explique pas. C'est la magie de l'amour. En même temps, 16 ans, c'est les débuts. On peut le dire comme ça. Sophia, vous la connaissez. Vous, ça fait longtemps, vous. Hein. Très longtemps. On ne dit plus à ce niveau-là. Mais c'est surtout que je ne sais plus. C'est que j'ai vu mon âge. Non, je pense que ça fait presque 30 ans. Ah non, vous les faites pas. Bah, mais pourtant, c'est... Vous l'avez connu à l'âge de 6 ans. Oui, c'est ça. C'est tellement sympa, Yann. Il n'est pas toujours très sympa. Moi, mais c'est ça, j'en profite. Je ne sais pas comment va tourner et la soirée. Et vous, Christophe, vous savez comment s'aimer ? Comment savoir comment s'aimer ? Ah oui, mais alors, il y a beaucoup, beaucoup de manières. Je pense surtout qu'il faudrait beaucoup, beaucoup de temps. Donc, oui. Sophia, pour nous expliquer. Et un canapé. Pascal Obispo, c'est donc ça. Il était attendu. Non, pas pour les raisons que vous croyez, Fabien, le canapé. Non, 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 non. Je vous ai vu, je vous ai vu. Il voulait dire un divan, mais in extremis, il a un problème de vocabulaire. Ah, si tu m'attaques sur le vocabulaire, moi je vais t'attaquer sur les coquilles. On y va. C'est marrant. Ah, il y a de la coquille. Il y a de la coquille. C'est marrant parce qu'il se sent toujours attaqué. Christophe ? Ah oui. Bah, comme vous un peu. Non. Moi je me sens toujours défendu. Oh, Yann, c'est quand Yann ? J'adore la tournure de cette émission, vous avez réussi à peine démarrer. Non, mais là je reprends la main parce que je voudrais parler de cet album. Ben ouais. Il était attendu l'album de Obispo. Le beau qui pleut, en tout cas c'est un album très inspiré, à la fois gay, mélancolique, il y a des très belles chansons, on va en parler. Et puis surtout vous fêtez à cette occasion-là vos 30 ans de carrière. Exactement. 30 ans de carrière. C'est le retour de Pascal Obispo, c'est cette tournée qui va commencer à Amiens, je crois, dès la semaine prochaine, vendredi prochain, pour finir à Saint-Omer en février prochain, en passant par la scène musicale. Vous serez à la scène musicale les 19 et 20 octobre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Yann, on est allé le voir en concert quand on était, vous et moi, chroniqueurs sur On n'est pas couché il y a très longtemps. Et franchement, vous en concert, d'ailleurs, vous aviez insisté en disant il faut que vous veniez voir le concert parce qu'effectivement, C'est vrai qu'on peut avoir un... C'est un show. Un a priori quand on écoute les chansons, puisque les chansons qui sont choisies sont souvent des chansons très, très romantiques. Et moi, je viens du rock aussi. Et c'est vrai que sur scène, j'arrive à mélanger les deux. Et je propose toujours des shows assez, comment dire, dynamiques et énergiques, avec aussi un peu d'humour, ce qui est difficile à faire quand on fait la chanson romantique. Mais sur scène, justement, je suis assez complet. Est-ce qu'on peut dire que le beau qui pleut, ce titre-là, et de manière générale tout l'album, c'est une forme d'ode à la beauté dans une époque qui n'est pas très belle, que vous ne trouvez pas très belle d'ailleurs. Bah, il y a une triple écriture, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de beauté, je rends hommage aussi à la Bretagne, à Christophe, et aussi la Bretagne, parce que quand on est adolescent, quand on arrive à 13 ans en Bretagne et qu'on se construit dans la musique, et en fait, je suis tombé amoureux de cette région, et ça m'a construit en tant que musicien. D'ailleurs, on me voit là à l'époque où j'étais capillairement beaucoup plus différent. Fourni, on va dire. Voilà, fan de Cure, et tout ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est une triple... Il y a une chanson dans l'album que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Le Mur, où vous dites, il y a un mur devant la mer, on regarde le mur au lieu de regarder la mer. Merci. Et je me suis demandé si ce n'était pas une chanson où vous expliquiez, où vous disiez qu'en fait, on est dans une époque où on nous explique ce qu'on doit penser, on nous explique ce qu'on doit regarder, le mur plutôt que la mer. Exactement. Et c'est comme ça et pas autrement. Voilà, en fait, c'est l'idée de cette chanson. Donc, c'est toujours plus facile de le faire en chanson que de l'exprimer. Mais vous avez tout à fait compris, donc on nous impose... des choses, des idées, on nous impose une façon de penser, mais quelquefois des nouvelles façons de penser, des nouvelles théories qui sont un petit peu proches de l'absurde. Genre ? Pardon ? Genre ? J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Enfin, vous dites quand même... On réécrit des choses, on veut réécrire des choses, par exemple la langue. Moi, je suis amoureux de la langue française. J'ai envie que la langue française reste comme elle est, et je vois pas pourquoi on transformerait. Voilà, ben je suis partisan de la beauté, de la richesse des mots, comme on les a lus, comme on les a appris. Mais vous dites que je suis plutôt un conservateur. Est-ce que vous l'êtes de plus en plus ce sens-là, en vieillissant ou de toute façon, vous l'avez toujours été ?
Bah, non, c'est en vieillissant qu'on le comprend, mais j'ai l'impression que de toute façon, la musique, on s'arrête d'aimer la musique à 35 ans. Je suppose que pour la littérature et pour le reste, nos goûts sont fixés très très rapidement. Donc on va aimer les choses qu'on a aimées. Et je pense que donc, en musique, pour parler de la musique, je pense qu'on aime rarement quelque chose de nouveau. Non, cela dit, c'est vrai que vous avez dit qu'on va se tutoyer, on s'en fout. Oui, on se tutoie. Parce que il a sa première chanson, il l'a chantée dans ma première émission, donc on se connaît depuis très longtemps. Non, on a fait surtout un périple étonnant, parce que peut-être qu'on ne va pas parler du sida, et c'est l'importance qu'on peut avoir aussi. Moi, je parle des capotes toutes les semaines. Je sais que tu en parles, et les gens ricanent un petit peu, mais c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on travaille là-dessus, on ne va pas emmerder les gens. On avait fait une opération qui était impossible sur le papier, qui était faire chanter des footballeurs. Et avec Christophe, j'avais soumis l'idée, on était parti donc. Voyager dans toute l'Europe pour faire chanter des footballeurs, pour faire un hymne pour le sida, pour Ensemble contre le sida. J'ai essayé de trouver des nouvelles idées. Ça s'appelle Love United et moi j'ai produit et lui il a tout fait. Exactement, et c'était vraiment. Donc on se connaît depuis pas mal de temps. Vous pouvez vous tutoyer. On peut se tutoyer. Ouais. On se nounoie, mais c'est plus compliqué. Ou alors on se voutoie, mais c'est chiant. Le nounoiement est bien. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle J'étais pas fait pour le bonheur. C'est vrai ça? Vous n'étiez pas fait pour le bonheur. Écoutez, le problème, c'est que je pense que quand on devient artiste, c'est parce qu'on a eu, on a chuté beaucoup. Et je pense que la chute est sans doute intéressante, peut-être pour se construire. En tout cas, ça dépend des gens, mais en tout cas, mes chutes à moi m'ont permis d'être artiste. Où vous avez chuté, vous? J'ai chuté à vélo. Mes parents ont divorcé. J'ai pas été. Il y a eu sans doute quelques malentendus dans ce métier au début avec ma personnalité. Même par exemple, quand j'ai commencé à faire Ensemble contre le sida, j'étais presque considéré comme un usurpateur. Et pourquoi j'étais là alors que j'avais proposé quelque chose de différent et nouveau pour avoir justement de donner, comment dire, un angle de vue positif pour, comment dire, la maladie, parce que c'était considéré comme une maladie sale. Et j'ai dit non, il faut faire les choses différemment. Et puis donc, qu'est-ce qu'il a gagné comme argent avec ça? Oui, parce que j'ai rien rendu. Je plaisante, mais il faut préciser une chose parce que à chaque fois, il y a 50% qui vont à la recherche et 50% pour c'est les malades, chaque fois que ça a raison comme d'être, toutes les chansons. Passe bravo. À la radio, vous touchez rien. Rien. Faut mieux préciser parce que tu as raison. Ah oui, c'est bien. Le style Obispo, bon, on n'a pas pu s'en empêcher, hein, parce que ça a évolué. Hein. Il y a 30 ans de style, il y a du bon et du moins bon. Ben, comment ça, du moins bon? Ah, le mieux, c'est celui en haut à droite, évidemment. C'est le clown. Le Joker ou le clown. Du moins bon, c'est une poète. C'est lequel le plus bel âge de la vie? Le plus bel âge de la vie. J'ai l'impression que c'est celui où on est un peu libéré de toutes les contraintes, on va dire, financières sans doute, parce que l'important dans la vie, c'est de pouvoir remplir le frigo, de pouvoir avoir une maison. Et c'est vrai que quand j'ai réussi à vivre de ma musique, c'est vrai que c'était quand même la plus belle chose qui me soit arrivée, parce que c'est quand même assez risqué comme métier. Donc chez vous, c'est quoi? C'est 35 ans, 40 ans? Moi, le plus bel âge? Ouais. Oh non, c'est aujourd'hui. Ah. Bien sûr. Avec la trouille. C'est aujourd'hui avec la trouille un peu. Avec la trouille. Oui, avec la mort qui se profile, avec toutes ces choses. Il n'y a pas une chanson? Il y a une chanson sur la mort. Bon, alors, il y a que des chansons qui parlent de la vie, la mort, l'amour. Non. Dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle La mort, pardon. Oui, il y a une chanson. La mort? Non, oui. Moi? Ça s'appelle pas La mort, mais. Ah, c'est pas mon album. Hein. Attends. Non. Jean-Philippe. Vous êtes Jean-Philippe? Non, c'est pas vous. Non. Il y a une chanson sur la mort. Il y a une chanson sur la mort. C'est sérieux, toi? Mais tu l'as écouté, ton disque? Si, je l'ai. Ben oui. La belle vie qui commence. Ah, la belle vie qui commence. La belle vie qui commence, je vous cite. Ah, écoute. La belle vie qui commence, quand je serai couché au Père Lachaise, tous ceux qui m'ignoraient me lanceront des fleurs et des lauriers. Voilà. C'est pas la mort, ça. Non. Ben non, parce que c'est la belle vie qui commence. Bien sûr. C'est la tranquillité. C'est ça que vous attendez quand vous serez couché au Père Lachaise. Je suis pas sûr de l'attendre, mais je... On vous enverra enfin des fleurs et des lauriers. Non, mais c'était une petite boutade par rapport à... Pourquoi le Père Lachaise? Même mort, tu veux être dans les trucs VIP, toi.
Et tu sais bien que je suis pas très VIP en plus. Justement, il y a quand même d'autres cimetières non, dans le monde que le Père Lachaise. Ouais, mais c'est l'auteur qui, voilà, il a voulu faire un espèce de petit comme ça, petit point d'ancrage dans ce texte. Il faut faire un peu d'humour aussi, il faut se moquer. Il y a de l'amour aussi, hein. Il y a de l'amour dans moi, je n'ai fait que de l'amour. Il y a une phrase très jolie. Vous faites ce que vous voulez. Toute ma vie. Je n'ai fait que l'amour tout le temps. Il y a une très jolie phrase. Moi, je n'ai fait que l'amour. J'aimais la façon dont on s'aimait. Je trouve ça très mignon. Et en même temps, ça veut dire que c'est pas tout simple. Ça veut dire que c'est fini. J'aimais la façon dont on s'aimait. Le truc, c'est que moi, j'ai toujours fait depuis que je lis, qu'on a lu quand on était adolescent, Baudelaire ou les poèmes de Marceline Desbordes de Valmore. Moi, j'ai toujours été dans une veine romantique. Dans le rock ou dans la chanson, ça a toujours été comme ça. Moi, je ne parle que d'amour. Citez-moi 5 chansons qui ne parlent pas d'amour, vous allez avoir des problèmes de le faire en espèce de 5 secondes, vous allez voir. Je vais réfléchir, mais d'ici là, on va écouter vos chansons et on va se faire plaisir, parce que vous êtes tellement dans le paysage, Pascal Obispo, depuis 30 ans, qu'on oublie, qu'on ne se rend pas compte combien vous avez marqué la chanson française, combien vous avez enchaîné les tubes, des tubes avec lesquels on a tous grandi, et on avait envie de se faire plaisir ce soir. On commence par ça. Je suis tombée pour elle. Je n'ai Dieu que pour elle. Il y a ça aussi. Lucie, dépêche-toi. Ah, c'est pas moi qui chante. C'est pas grave, ça me fait plaisir aussi. C'est pas vous qui chantez là. C'est qui? Qui va se faire virer? C'est qui? Qui chante? Quelqu'un d'autre? C'est bien, je trouve ça bien quand je chante. Pascal, sans déconner. Ça fait plaisir. C'est pas toi? Ah bah non, je me reconnais quand même. Oui, c'était pas de la ref, t'as raison. Il y a ça aussi. Et ma préférée, ça c'est ma préférée. Mais c'est tombé sur toi ce jour-là. Sur Rosa Parks. Tu as fait le premier pas. Et il y a eu Mandela après toi. Et peut-être un peu celle-là aussi. L'important c'est d'aimer. Pour tout donner. L'important c'est d'y croire. Et enfin. Ah oui, ça c'est... Ah si. Ah oui, ah oui. T'as jamais compris le sens de cette chanson. Madame, vous aimez. Non mais ça pour nous c'est un vrai souvenir parce que c'est quoi, c'est une des premières qui t'a fait décoller. Ce qui est assez drôle c'est que... Merci. Vous connaissez tout, Fabien Roussel? Vous connaissez tout Obispo? Pas tout, mais toutes ces chansons, oui. J'ai tendance à préférer aussi, surtout, enfin, j'ai un peu de mal à écouter ma voix. Mais surtout quand c'est pas la tienne. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, c'était agréable, en fait. Ah oui. C'était pas du tout une critique. Hein. Non, c'était même bien. Le problème, c'est surtout l'interprétation. Moi, j'ai appris à chanter il y a très peu de temps, réellement. Je suis un musicien et j'ai appris à chanter au fur et à mesure. Et ma voix s'est transformée, donc c'est un peu compliqué d'écouter des vieilles chansons. Aujourd'hui, c'est plus la même ? Eh ben non, pas du tout. Bah. Parce que l'âge ? Alors toi, t'as un problème avec l'âge. T'as un problème avec la mort. Là. On peut rien lui dire, ce mec-là. Alors, non, mais sérieusement. Non, mais attends, je vais t'expliquer. Mais je suis sérieux, en plus. Alors, je vais t'expliquer. Je suis sérieux et gentil. C'est d'ailleurs pour ça. Je pose une question. Non, mais laissez-moi finir. Voilà. Ah bah, c'est une question technique. Mais tu as raison, mais en plus, voilà. Techniquement, c'est la vérité, parce que ah bah voilà. Si je fais autant d'albums en ce moment, je prépare une anthologie de la chanson française. Il a 58 ans, mais qu'il ne les cache pas, on s'en fout. Je n'ai pas 58 ans, j'ai beaucoup plus. Oh. Ah bah, laisse. Bon, je laisse aller. Ah, toi, 68 ans. Pascal, vous dites que pour vous, le plus grand chanteur de ces dernières années... Daniel Lévy. Oui, ça m'étonne, ça. Enfin, ça m'étonne, c'est un grand chanteur, mais je pensais que vous citeriez Florent Pagny ou Johnny. En fait, quand on parle de grand chanteur, on parle de capacité technique. Voilà, c'est pas... voilà, moi, et Florent, c'était le plus Florent, c'est mon ami. Johnny, c'était mon ami aussi. Florent est un énorme chanteur. Par exemple, l'envie d'aimer sur scène, je suis incapable. Je laisse les gens chanter parce que Daniel est la seule. Et Florent aussi le sait aussi. Oui, mais quand tu seras mort, on te fera autant de compliments que tu en fais Daniel Lévy. Non, c'est comme absolument ça que ça pas, parce que Daniel est un vrai chanteur. Moi, j'aimerais qu'on fasse des compliments en tant que mélodiste. Et voilà, c'est la seule chose. Et aussi quelqu'un qui aimait la musique. Mais en tout cas, au niveau des chanteurs, Daniel, c'est... Eh bien, on va l'écouter. Ah, dit, on va l'écouter. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il y a un an exactement. Il est parti d'un cancer, voilà. Et on a envie de l'écouter.
connaissez. Vous adorez Zaya. On écoute d'autres collaborations avec qui vous avez, avec qui vous avez bossé. Merci. Bah, ça a raison d'être, vous en parliez. Votre ami Florent Pagny, savoir aimer. Yann, c'est laquelle votre préférée? Soledad, elle est pas dedans. Johnny. Tu trouveras. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'invoque de vivre. Natacha Saint-Pierre, qui vous n'avez pas fait en fait? C'est ça la question. En France. Qui? En France. Céline Dion. France Gall à l'époque. Si, Céline Dion, elle a chanté L'envie d'aimer en anglais. Justement, son album sur France Gall. Moi, j'ai écouté l'album des chansons qu'il avait écrites pour France Gall. Ouais. Et c'est incompréhensible qu'elle ait refusé, parce que c'est quasiment que des chefs-d'œuvre. Elle avait répondu, de ce que j'ai lu, elle t'a répondu, c'est Michel, mais c'est pas Michel. Ça, c'est un moment extraordinaire. C'est ça, hein. Je suis au piano sur le piano de Berger, et c'est vrai que je viens de finir, je chante sa raison d'être en faisant un peu des mouvements de tête pour susciter un peu un intérêt, tu vois. Nanana, je fais des petits gimmicks un peu à la Berger. Sur le piano d'Elton John, et franchement, elle me dit, ouais, c'est Michel, mais c'est pas Michel. Qu'est-ce qu'on c'est peut violent. Faire C'est violent. Non, c'est pas violent, parce que c'est la vérité, ça voulait dire simplement... Ouais. C'est dommage. Non. Ça veut dire que c'est pas pour moi. On ne pourra jamais remplacer Michel Berger et on ne pourra jamais le remplacer. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'elle était attachée à son répertoire et j'ai eu beau me rapprocher le plus possible. Sa raison d'être, chanter, tu trouveras. J'ai fait des chansons qui sont sur les 10 commandements, même pour Patricia Cass. J'ai eu beau faire et j'ai pas réussi. Mais bon, j'avais une période un peu chargée puisque c'était en 97. J'ai quand même travaillé à l'époque pour Florent, pour Johnny. On a fait le SIDA. J'ai travaillé pour Patricia Cass, pour Calogero. J'ai eu une grosse année. Donc ça va. Je veux dire fiscalement. Ne répondez pas. Et par chance, je suis resté en France et je n'ai pas, voilà, j'ai pas voulu partir et j'ai toujours bien payé mes impôts. J'ai bien travaillé. Ah bien. Voilà, c'est bien. Parce que Fabien Roussel est là. Ah mais c'est important. C'est important. Bah oui, il y en a plein qui se sont barrés. Ouais, enfin. En tout cas, il y a quelques-uns qui se sont barrés. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, moi j'ai eu l'impression qu'on pouvait être utile si l'argent. Moi j'ai du mal. Hein. Si être utile. Non, j'ai du mal avec ceux qui s'en vont. J'ai du mal avec ceux qui s'en vont parce qu'il faut participer à la vie sociale de notre pays et que nous tous ici autour de la table on participe à la vie sociale de notre pays. Moi j'ai du mal avec l'argent qui me reste. Et moi je. Ça c'est drôle. T'as du mal avec l'argent qui te reste. Bah oui, parce qu'on n'est pas loin de la spoliation quand même dans ce pays. Ça cartonne. Non, moi je pense. Oh là, que... il abuse là. Ça fait mal. Non. Bien, quand on est célibataire et qu'on n'a pas d'enfants, il y a des jolis coups de bambou quand même. Bah, fait des enfants. Le patron des communistes, il était au pouvoir. C'est une forme d'évasion fiscale de faire des enfants. Mais c'est fait pour ça, oui. Au secours. Non, mais c'est important. Non, mais je dis, c'est important de payer ses impôts. Mais c'est vrai, le seul truc, moi je suis content de participer. On a fait des projets pour le SIDA, j'ai travaillé pour les Restos du Cœur, j'ai travaillé pour beaucoup d'associations. Le seul truc, c'est vrai qu'on aimerait savoir un peu à quoi ça sert. Eh ouais. C'est la seule chose que j'aimerais bien comprendre. Tu parles des impôts ou des assos? Ben, moi, j'aimerais bien savoir, par exemple... L'école, l'hôpital... Pas seulement. Attendez, moi j'étais... Attends. On ne peut pas résumer comme ça, parce que c'est trop facile de dire l'école, l'hôpital. Moi, j'étais dans les hôpitaux il n'y a pas longtemps, j'étais voir des gens, j'ai vu des choses compliquées. Voilà, moi, ce que je veux juste te dire, ce n'est pas une critique, mais c'est simplement, quand on paye ses impôts et quand on est un bon citoyen, on aimerait bien comprendre et savoir où ça va, parce que ça va nous faire plaisir de contribuer. Mais voilà, contribuer et comprendre les choses. Fabien Roussel, vous êtes d'accord? Je partage 10 000 fois, parce que j'entends tout le temps ça. On paye des impôts quand on en paye,
Y en a, et on est content de le faire. Et on est content de le faire, mais quand on paye des impôts parce qu'on est attaché à ce qu'il y ait des services publics qui fonctionnent et qu'on met son gamin à l'école et qu'il y a encore un prof absent et qu'il n'aura pas cours pendant 3 semaines de maths ou de français, qu'on va à l'hôpital pour accompagner sa grand-mère et qu'elle reste pendant 8 heures dans un couloir et qu'elle n'est pas prise en charge et que nos hôpitaux sont en souffrance, que nos écoles manquent d'enseignants, on se dit, eh ben merde, quoi, je paye des impôts. Alors on se dit quoi, non, mais donc, on dit simplement qu'il y a des priorités. Donc, attends, il y a des priorités. Non, mais je pose une vraie question. On se dit quoi? Parce qu'il ne faut pas non plus induire non, que c'est pour vois, ça. On n'est pas, pas dans un pays de corruption, jamais, etc. Jamais, et puis, où va jamais la deuxième partie du sujet, c'est qu'effectivement, il faut savoir à quoi ça sert et qu'on on se dit que nos impôts devraient servir à financer des services publics. Oui. Or, aujourd'hui, il y a une partie de l'argent public qui sert à quoi qui est mal dépensé. Mais vous le savez. Et qui est mais bien sûr. Alors, quand, où est-ce qu'il est mal dépensé? Par exemple, dans les collectivités locales quand, mais pas du tout. Quand on distribue, par exemple, 160 milliards d'euros d'aide publique à des entreprises sans rien leur demander en retour, y compris à des grands groupes qui n'en ont pas besoin, par exemple, qu'ils gagnent de l'argent, par exemple, parce qu'ils gagnent de l'argent, parce qu'ils distribuent des dividendes, ben les grands groupes Total. Industriels, ben comme des Total, même LVMH, ils touchent de l'argent public. Ben bien sûr, quand on additionne l'ensemble des aides publiques... Attendez, qu'est-ce que vous appelez toucher de l'aide publique ben, pour LVMH? C'est le crédit d'impôt. Crédit d'impôt. Ah, crédit d'impôt. Crédit d'impôt, exonération de cotisations sociales. Tout ça, quand on additionne tout ça... LVMH est exonéré de cotisations sociales? Ben, sur les salaires jusqu'à une fois et demi le SMIC, ils sont exonérés de cotisations sociales, bien sûr. Et ils en bénéficient, vous savez. On va en parler. Vous, devriez faire la politique. 76 milliards d'euros. 76 milliards d'euros. On la garde. Alors, oui, mais non, mais on peut rester une minute là-dessus après. Si vous voulez, si vous voulez. Non, allez-y, vas-y. Allez-y. Je sens que ça vous passionne. Allez-y. Non, ça, bah, je crois que ça passionne tout le monde. Mais bien sûr. Je crois que ça passionne. Et donc, on se dit que nos impôts, au lieu d'aller... Moi, j'ai une boîte qui me saigne comme ça, tellement c'est difficile. Et s'il me raconte qu'LVMH a un crédit d'impôt de 1,2... Ça vous énerve. La baisse des impôts de production, ils touchent tous, même Amazon. Ça m'énerve, c'est que c'est scandaleux. Christophe, Amazon, Jeff Bezos, il s'en va dans l'espace... Avec nos impôts, quelque part. Parce que quand on lui baisse ses impôts de production sur tous les grands entrepôts qu'on construit en France, on l'exonère des impôts qu'il devrait payer. C'est pas juste. Donc vous seriez président, moi, je préférerais que mes impôts, nos impôts, pardon, ils servent à financer des écoles, des hôpitaux, des tribunaux de justice, tout le monde. Des commissariats, des douaniers, enfin voilà, tout ça, quoi. Il faudrait flécher, c'est ce que vous dites. Il faudrait flécher l'argent pour que... L'argent public... Pour que Pascal Obispo sache où va son argent. L'argent public doit être... C'est pas mon argent. C'est tout le monde. Enfin, c'est pas mon argent, oui, puisque oui, non, quand on paye les impôts, c'est pas le nôtre. Mais je trouve que c'est quand même important. Bah, c'est plus le nôtre. Moi, je vais reprendre ma carte du Parti communiste. Ah. Voilà. On en a parlé. On en a parlé. On va en parler. Bon, on cela va en dit, parler. Aujourd'hui, oui, on va en parler. On va en reparler. Mais d'abord, pour vos 30 ans de carrière, on va vous faire une petite masterclass succès. Ah, très bien. Question courte, réponse courte. Le succès, ça tient à quoi surtout? Au travail, à la chance ou au culot? Les trois, je dirais. C'est d'abord la passion, le travail, l'obstination et obligatoirement la chance. Mais si on ne travaille pas, on l'aura jamais. Hein. Question courte, réponse courte. Ah pardon, excusez-moi, c'est très très court. Non, c'est pas oui, grave. Non. Le succès, ça répare les blessures de l'enfance ou rien ne guérit les blessures non. de l'enfance? Non, rien ne guérit les blessures. C'est simplement un pansement, mais on a toujours. Est-ce que ça rend beau le succès? Est-ce que ça aide? Ah oui, ça rend beau. Est-ce que ça aide oui. avec les femmes? Avec les femmes? Pourquoi les femmes? Ou avec les hommes? Vive le Parti communiste! Ne commencez pas avec ça. Avec, non. Est-ce que ça aide avec les hommes? Je pense, avec les hommes, oui, ça m'a beaucoup aidé. Mais ça aide beaucoup, c'est vrai. Faut pas faire la liaison, hein. Mais il y a beaucoup de... Il faut une réponse courte. C'est non, compliqué. Non, allez-y. Non, mais il y a aussi y a pas mal d'inconvénients. Eh ben justement, est-ce que le succès, ça attire les parasites et les pique-assiettes? Bah, devinez. Je sais pas, moi. Je pose la question. Oui, ben bon, évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, le problème, c'est qu'en plus, c'est compliqué au moment où... On est vraiment dans le TGV à grande vitesse, où il y a tout qui arrive et c'est vraiment... On cartonne, là... Et donc, on ne réfléchit pas. Et ce qu'évidemment, le succès ne fait pas réfléchir. Et d'ailleurs, vous dites... Il n'y a que l'échec qui vous permet de vous arrêter de réfléchir. Alors que quand on cartonne, on ne réfléchit pas. Donc, c'est vrai qu'on fait rentrer... Et surtout qu'il y a un entourage qui vous dit toute la journée que vous êtes le plus beau, le meilleur et tout Ouais, non, ça, je n'ai pas vraiment si aimé. Vous avez dit, ouais. Ou, enfin, le mec qui te fait des compliments sur tes cheveux, c'est un vrai parasite. Hein. Pascal Obispo. Le One Man Show, c'est devenu sniper, en fait. C'est devenu sniper. Non, quand je vois Léa, j'ai de la répartie, mon Dieu. Il se rappelle. C'est un peu c'est ça. C'est Pavlovien. Ouais, c'est ça. Pavlovien. Le succès, ça rend con.
Ça rend compte quand on, oui, au moment où, où ça arrive, on ne voit plus grand-chose, effectivement. Ça peut rendre con. Moi, par chance, je l'étais déjà avant. Est-ce que... Est-ce que ça... Non, mais parce qu'il y a des snipers, donc je me dis, il faut que... Il y a du suspense, il faut avoir la bonne brèche. Je suis pas sniper, moi. Pardon ? Non, moi, il parlait Sophia Aram. Toi, t'es Christophe de Chavannes. Oui. Et ça veut dire quoi, t'es l'inventeur ça de... L'inventeur de quoi ? Ah bah Christophe, il a inventé des trucs, hein. Attendez. Vous étiez trop jeune. Oh, je oh l'eau oh. C'est une bonne guerre. Est-ce que le succès rend heureux ? On est quand même satisfait de continuer à tisser des correspondances avec les gens. Quand les gens chantent nos réponse, chansons... Réponse, non, ça rend pas heureux. Si, 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 si. On va passer à un petit jeu pour terminer. Très difficile. Je vais y aller, oui, après, allez-y. Non, vous restez jusqu'au bout. Tu préfères réponse courte. Oh, j'ai du mal avec les réponses courtes. Vas-y, allez. Cap Ferret ou Bretagne? Ah oui, je Cap Ferret. Peinture ou musique? Musique. Mais bon. Je dis ça parce que vous, vous peignez maintenant. Vous exposez en ce moment même, pour ceux qui nous regardent à Bordeaux. On voit ce qu'ils viennent faire. Au musée Mer Marine. Au musée Mer Marine jusqu'au 7 janvier. Ouais, c'est au 8 exactement. J'ai déplacé là parce que c'est mon anniversaire, mais c'est vrai, une exposition qui s'appelle Art Thérapie. Et je voudrais saluer Norbert Fradin qui m'a permis d'exposer avant le trépas. Paul de Saint-Sernin. J'ai pas entendu. Vous lui avez dit vous peignez ou vous peignez? Parce que j'ai pas. Allez. Foot ou rugby? Pardon? Foot ou rugby? En ce moment, rugby. OM ou PSG? Bordeaux. Mbappé ou Zidane? Elle est dure, celle-là. Ouais, elle est dure. Bah, j'aime les deux, évidemment. Mbappé est un génie, mais Zidane, c'est... C'est juste que... Ouais. Quand on jette des On va pièces... dire que d'un côté, il y a le prince, et de l'autre côté, il y a le roi. Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert? Oh bah Isabelle Adjani, pardon pour Isabelle Huppert que j'adore. Mais là, on attend l'album d'Isabelle Adjani. Ça va être différent de Gainsbourg, du Pulmarine? C'est exactement autre chose, oui. On ne pouvait pas faire pareil. Et là, j'ai vraiment travaillé depuis quand même pas mal de temps, pas et mal elle, de mois. Et elle? Oui, énormément. Ah, elle, super. Elle a gardé sa voix, elle était là et elle adore cet album. Et je voudrais préciser que j'ai bossé avec la reine de l'électro qui s'appelle Cécile De Laurentiis, grâce à qui on a pu achever cet album au bout de toutes ces années. Alors, la plus dure, hein, je vous préviens. Florent Pagny ou Zazie? Oh, Florent. Ouf. Bah, non, mais t'aurais dit ouf dans l'autre sens aussi. Oui, mais oui, j'aurais oui. Dit. Non, mais Florent, enfin, franchement, sans Florent, je suis pas là aujourd'hui sur ce plateau. C'est vrai? Non. Ah ouais? Pourquoi? Parce que il a dit, il a envoyé tout le monde se faire foutre quand il a décidé de me proposer de faire une chanson pour lui. Et je lui ai fait, enfin on a fait Savoir Aimer. Et c'est vrai que dans la minute où il m'appelle, et il me dit à la fin de la conversation, il m'a dit tu vas avoir un appel pour faire l'album de Johnny. Enfin tout s'est enchaîné tellement vite grâce à lui et grâce à Savoir Aimer. Voilà, et puis c'est mon ami pour la vie. Paul de Saint-Sernin. Et surtout, où va l'argent de ses impôts à lui aussi? On aimerait bien savoir. Je précise. On peut préciser hein, ce qui Alors s'est passé. Saisit. Moi, je la connais, l'histoire. Hein. Il l'a déjà raconté. Il l'a déjà raconté ouais. Plein de fois. Respect. Voilà, Florent, il paye ses impôts. Juste, il a eu une avance d'argent qu'il n'a pas tout dépensé. Et on a voulu lui faire payer les impôts sur la totalité de l'argent qu'il n'avait pas tout dépensé. Il a décidé d'arrêter de payer ses impôts. Bon, c'était un peu jusqu'au boutiste, mais bon, c'est... normalement, légalement, il avait le droit, mais bon. The Voice ou Nouvelle Star? Ouais, The Voice, évidemment. Mm-hmm. BFM TV ou CNews? Alors, moi, je dirais une chose très, très importante, c'est que, enfin, ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, c'est moi, le climat anxiogène, j'en peux plus. Voilà. Donc, moi, je veux faire du beau. Non, c'est pas ni l'un ni l'autre. Mm. C'est qu'on a envie, quand on ouvre la télé, de passer un bon moment, comme quand on vous voit le soir, même quand il y a des invités politiques, voilà, c'est un petit peu mélangé. Les nouvelles sont rarement gays. Non, c'est pas les nouvelles qui sont gays. C'est ce qui c'est la chaîne les d'info. Nouvelles qu'on nous propose. Franchement, ça m'emmerde profondément. Moi, j'étais fan de Jean-Pierre Pernaut, parce qu'au moins, même si c'était un peu caricatural, ça allait dans un sens précis qui était la campagne, le bonheur, la joie de vivre. Et franchement, ça existe encore. Et malheureusement, quand on allume certaines chaînes de télé, on a l'impression qu'on vit dans le noir. Non, c'est un peu. Moi, je trouve que depuis qu'il y a plus de trois chaînes et qu'il y a la couleur, le monde n'est plus le même, je trouve.
Allez, on termine. Alors là, franchement, il y a... Allez, la dernière. Laurence Ferrari ou Sonia Mabrouk? Bon, la meilleure intervieweuse, je pense que c'est Sonia, oui. Vous ne parlez pas en termes d'interview, hein. Ben moi, je parle de ça. Hein. Pourquoi? Tu veux parler de quoi? Je sais pas, de la vie en général. Ah, la vie. L'amour, la mort. Grande auteure, voilà. Grande intervieweuse. Hein? La meilleure, non, vous n'êtes pas jalouse? Non, je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas du tout jalouse. Le beau qui pleut, qui vient tout juste de sortir. Oh, la tournée des 30 ans, ça démarre vendredi prochain à Amiens. Tournée jusqu'en février 2024, qui passera notamment par la scène musicale à Paris les 19 et 20 octobre prochains. Et vous restez avec nous, Pascal, bonsoir, j'espère. Bonsoir, bonsoir, excusez-moi, pardon. Je passe devant, ça fait un moment que je suis là, j'étais là depuis avant vous. Hein. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Vous avez changé la déco, non? Non. Si, c'est un peu plus bleu que d'habitude, je trouve. Une partie de tennis qui se prépare, non? Non, c'est... non. Oui, mais attendez, c'est mais c'est pas vous qui présentez d'habitude, en plus. Mais si, c'est moi. Je vous présente quelle époque, tous les samedis soir. Ah, on n'est pas sur le plateau de The Voice, là? Ah non, 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 non. Ah, c'est ça, je me disais, les fauteuils sont déjà tous retournés, c'est complètement con. C'est vrai, et en plus, de près, vous êtes quand même un petit peu moins poilu que le grec. J'espère. C'est vrai. Vous êtes déçue? Je suis déçue, je suis très déçue parce que... C'est quoi ça? C'est... ça. Bah, moi, je voulais être dans l'équipe de Pascal plus que tout au monde. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Pourquoi? Ah ouais. C'est lui que vous préférez de tous les... Ah bah oui, je tous les jurés? Oui, moi, dans ma vie, je... Si j'existe, j'existe. Je viens de comprendre. D'être fan. Je suis fan, vraiment, c'est vous que je préfère. Désolée, les autres, je vous ai entendu chanter, j'aime pas. Non, je suis fan de vous surtout, en fait. Voilà. Ah bon? Oui, et d'ailleurs, je pense qu'on se ressemble beaucoup, vous et moi. Eh. Sans se téléphoner, quand même. Hein. C'est tout nouveau, hein. Non, mais coup de bol, quoi. Non, mais c'est tout nouveau, c'est... Coup de bol, hein. Ça vient de sortir. Je suis un petit peu déçue quand même pour cette histoire de casting, je vous le cache pas. Pourquoi? Bah, ça fait quand même 17 ans que je fais la queue hein, pour le passer. Là, enfin, vous avez jamais prise. Est-ce qu'exceptionnellement, est-ce que, je sais pas, genre juste parce que la pauvre elle est venue là, on peut la laisser essayer, tenter un casting avec... Vous voulez bien m'accompagner, ça vous embête pas? Ah, vous voulez que je vienne de caler 2-3 acteurs, quoi. Ouais, ouais, sincèrement. Allez-y. Soyez bonne là. Hein. Ah bah, là vous jouez votre vie. Tout, là. Ah là c'est... La pression. Ouais. À la faute. Enchanté. Enchanté. Voilà. Enchanté, Lucie. Oui, bah écoutez, voilà. C'est moi, hein, normalement. Oui, allez, eh ben, on s'installe. Alors, mais je vous en prie, faites comme chez vous. Allez. Voilà, moi, je... Ah, voilà. Je prends une... On vous met le buzzer ici. Si ça vous plaît à la fin, n'hésitez pas. Il faut que je vous chante des... Mais... Alors non, il faut que est-ce que vous pouvez jouer fan, tranquille, pas trop rapide. Voilà. Toi qui pour d'autres as écrit ce que les mains de Lucie t'ont murmuré. Moi la fan aux yeux transis, je te chante tes mélodies millésimées. Je dis ça mais le temps balle bas, j'ai déjà un mec dans les bras. Toi l'idole, le beau qui pleut, laisse-moi, même silencieuse, te dire. Pascal, tu es tombé pour moi. Je suis dans tes bras, rien qu'une nuit. Prends-moi dans ton équipe. Et s'il te plaît, Pascal, retourne-toi. Prochaine. C'est à vous, Zaya.
Je dis Zaya, mais c'est plutôt Zaya Dehar, parce que vous avez désormais un nom de famille. Oui. Pendant longtemps, vous n'avez été qu'un prénom. Zaya tout court, depuis cette affaire, il y a 13 ans, cette affaire qui avait fait scandale dans le foot français, avec Ribéry, avec Benzema autour. Vous avez fait la une de tous les journaux, vous étiez escort girl, comme on dit. Oui. Vous étiez sulfureuse, vous étiez celle par qui le scandale est arrivé. Et au lieu de tomber, parce que vous auriez pu disparaître comme... comme une poussière, eh bien, au lieu de tomber, vous vous êtes battue pour vous construire une carrière, vous êtes devenue une femme d'affaires, vous avez lancé une marque de lingerie, vous êtes devenue mannequin, vous êtes devenue actrice, vous avez même joué dans, avec une des réalisatrices françaises les plus hype du moment, qui s'appelle Rebecca Zlotowski, qui avait fait un film il y a 4 ans avec vous. Et vous vous êtes battue et vous dites, ça a été très dur, on m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai dû prouver 10 fois plus que les autres. Oui, ça c'est sûr, parce que je venais juste d'avoir 18 ans. Et j'ai dû commencer ma vie d'adulte avec la pire étiquette qu'une femme puisse avoir de notre société. C'est quoi? Bah, il y a des cases dans cette société. On ne veut mettre les femmes convenables d'un côté et de l'autre côté, bah, tout ce qui est les traînées, les femmes de mauvaise vie. On peut dire le mot, hein. Parce que vous dites à juste titre, vous dites je ne vois pas de côté péjoratif dans le mot pute. Exactement. Et pour moi, ça ne devrait plus être une insulte. Et toutes les femmes sont terrorisées à l'idée d'être mises dans cette case de la pute, qu'elles se prostituent ou pas. Et je pense qu'en tant que femme, on a toutes ressenti ce poids qui commence dès l'adolescence par rapport au choix vestimentaire. On commence vraiment à être modelée par la société et à avoir peur d'être mise dans cette case de traînée, de fille facile. Réputation également. On va parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui vous constitue. Oui. Vous vous êtes émancipée de ça, vous assumez ça, vous assumez tout. Je vais raconter votre histoire qui est vraiment un parcours de vie très particulier. Mais d'abord, je veux dire que vous êtes battue jusqu'au point où vous êtes à l'affiche ce mercredi d'un très joli film qui s'appelle L'ère de la mer rend libre qui sort, qui a été réalisé par Nadir Moknesh, un film porté par des acteurs épatants. À part vous, il y a Youssouf Abiaïd et Kenza Fortas. Je les cite parce qu'ils sont très bons et ils sont très beaux aussi. Ce qui ne gâche rien. C'est l'histoire d'un mariage forcé entre une jeune fille qui sort de prison et un jeune garçon homosexuel. Les deux vont accepter de se marier pour faire plaisir à leur famille musulmane, pour respecter la tradition. Et c'est un film aussi sur l'émancipation, sur la quête de soi et la quête de liberté. On regarde. Ça va ? C'est trop bon ce que t'as fait. Ah bon, t'aimes ? T'es sur quoi ? Des conneries d'Insta. N'attends pas pour te coucher, hein. Bonne nuit. La vérité, c'est que j'attends de voir Saïd devenir papa. Si j'ai accepté ce mariage, j'ai bien pour fonder une famille. Je sais, moi aussi. C'est quoi le deal avec Zineb? Mais il n'y a aucun deal, qu'est-ce que tu racontes? Occupe-toi de ta femme, elle n'a rien mangé. Laissez tomber, elle n'a rien à foutre de sa femme. Coucou! Et vous, au fait, vous vous êtes rencontrés comment? M'a dragué sur la plage. Oh, mais c'est beau, ça. Ouais, c'est à l'ancienne, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? En fait, Saïd et moi, c'est un mariage arrangé. Salut. C'est un ami à toi? Je l'ai rencontré, je suis plus à la fac. Qu'est-ce qui va pas entre vous? Pourquoi vous demandez pas plutôt à votre fils? Une fois, tu m'as dit le mensonge, c'est à double tranchant. Tu mens aux autres, après, sans t'en rendre compte, tu te mens à toi-même. Me dis pas que t'as rien vu. L'air de la mer rend libre. En salle, mercredi prochain. Il y a deux couples dans ce film. Il y a ce couple de jeunes qui s'est marié forcé. Lui est homosexuel, elle sort de prison pour faire plaisir à la famille. Et il y a votre couple, vous êtes la voisine, avec son mec, musulman aussi, mais qui vivent très librement la vie moderne, qui s'assume totalement. C'est vraiment un film sur le poids des traditions, sur comment ces deux jeunes sont déchirés entre l'amour de leur famille, parce qu'ils l'aiment et ils ne veulent pas trahir les traditions, et en même temps, leur quête personnelle, leur quête intime. C'est vraiment ça, le film? Oui, c'est vraiment ça, le film. Ce que j'aime chez Nadir Moknesh, et dans ce scénario, c'est qu'il a vraiment osé pointer une certaine hypocrisie que peu de réalisateurs ont osé aborder. Quelle hypocrisie, par exemple? Cette hypocrisie, par exemple, de perpétuer ces coutumes extrêmement archaïques. Je vais dire la vérité, un mariage forcé en 2023, c'est extrêmement archaïque. Et ça existe toujours? Oui, et c'est ça qui est choquant, que ça existe toujours, oui. Et si ce film peut parler à de jeunes garçons ou même à de jeunes filles, pour les libérer, les aider vraiment à faire la différence entre leur désir et le fait de délaisser ces coutumes archaïques, parce que c'est à nous aussi, cette génération, de mettre fin à ça. Parce que si on ne remet jamais en question ces coutumes qui se perpétuent comme ça de génération en génération,
bah ça ne s'arrêtera pas. Et ces mêmes coutumes ont même fait souffrir les parents, les arrière-grands-parents. Mais vous, c'est quelque chose que vous avez connu, vous, dans votre vie. Vous êtes née en Algérie, vous êtes venue en France. Le poids des... Échapper au poids des traditions, échapper à la famille, c'est quelque chose... Acquérir sa liberté. Bah, j'ai vu ça. Je voyais bien sûr des histoires comme ça en Algérie, même après, en venant en France. Et vous, dans votre famille ? Bah, grâce à ma mère. Ma mère, elle a toujours voulu combattre ça. Elle est contre ses coutumes lourdes. Pour elle, on devrait être libre. On devrait suivre son plaisir et ses désirs. Comme par exemple l'idéologie par rapport à la sexualité de la femme. Ça, c'est une chose qu'on ne veut pas lâcher, même en Occident, même dans les pays européens. On trie les femmes par des cases. Elle, c'est une bonne fille, elle, c'est une mauvaise fille. Pourquoi on ne veut pas lâcher ça également, ici en Europe? Parce que c'est... Je vous avais dit, ce n'est pas qu'un physique, Zaya Béa. Vous avez vu le film? Oui, je l'ai vu, et c'est ce que dit Zaya. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un film sur le mensonge. Et en fait, tous ces gens sont complètement englués dans le mensonge, et on voit bien que tout le monde se ment dans ce film. Et c'est très juste, parce qu'il y a aussi l'injonction faite aux hommes. Mais certains doivent être malheureux de ces injonctions à la virilité, l'injonction à la paternité, l'injonction à l'hétérosexualité quand on est homosexuel. Et dans le personnage que vous incarnez, Zaya, ce qui est hyper touchant, c'est qu'on voit ça, on voit tout le regard critique de tout le monde, tout l'entourage la regarde comme étant une mauvaise fille, on parle de son corps, on parle d'elle, et elle s'en fout. Elle est libre. Et ça fait tellement de bien de voir ce personnage. Et on sent que votre voisine s'accroche à vous parce que quelque part, vous lui offrez cette liberté. Elle va l'aider à s'émanciper. Exactement. Il y a 4 ans, je vous avais interviewé dans une autre émission que j'avais fait, Stupéfiant. Et vous aviez eu cette phrase: aujourd'hui, j'essaie de devenir une fille normale. Vous l'êtes devenue? Je vous réponds non, bah, vous ne l'êtes pas devenue. Non, en fait... Et encore heureux. Ne soyez pas normale. Oui, ça c'est sûr. N'essayez pas de le devenir. Elle aurait du mal en même temps. Bah oui. Elle a sa personnalité. Non, moi, je suis très frappé par une chose. Excusez-moi, c'est votre manière de vous exprimer. Oui. C'est-à-dire que je trouve que vous avez une façon de parler, une scansion, une sorte de mélodie dans la voix qui est très agréable à entendre. Merci. Et vous faites des liaisons qu'on avait oublié qu'on pouvait faire. Et effectivement, non seulement vous n'êtes pas qu'un physique, mais vous ne pouvez jamais en être un, vous êtes autre chose. Et le fait de faire du cinéma en même temps fait que vous vous en fichez complètement du jugement que peuvent avoir les autres. Car vous avez dit quelque chose tout à l'heure, j'aimerais qu'on le dise vraiment, il y a une dignité des prostituées. Ces femmes méritent le plus grand respect. Ah, elles grave, ont sauvé grave, le monde. Grave. Moi, je dis vive les prostituées, voilà ce que je dis ce soir. Moi, j'ai habité dans un quartier des années où je me levais le matin très tôt quand j'ai commencé à Canal et où je rencontrais les prostituées de la rue dans laquelle j'habitais, qui était la rue Fromentin à Pigalle. Et j'étais assez proche de ces femmes qui étaient... pour la plupart des mères de famille, qui exactement. Faisaient ça un peu en loose-dé, pour faire becquer les enfants, pour les envoyer à l'école, pour qu'ils puissent avoir une vie normale, parce que les maris n'existaient plus. Exactement. C'était des femmes avec un code d'honneur, c'était des femmes formidables. Et moi, j'ai toujours un plus grand respect pour les prostituées. Enfin oui, alors moi, il faut dire prostituées, parce qu'il ne faut pas dire d'autres mots. Mais pour moi, le mot pute n'est pas une... Enfin, Sophia, ça dépend qui le dit. Ça dépend qui le dit. Après, ce n'est plus le sujet de Zaya aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une femme qu'on reçoit pour... Mais comme elle y faisait allusion tout à l'heure, bien sûr, mais ce qu'il a construit. Oui, mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle a payé cher la liberté qu'elle a gagnée aujourd'hui. C'est-à-dire que cette liberté, la femme qu'on a devant nous aujourd'hui, elle a payé, mais alors... Ah bah elle a tellement payé cher qu'un jour, devant les flics, dans la fameuse affaire, les policiers lui ont fait un chantage en lui disant « on va te retirer ta nationalité française ». Donc, je veux dire, ça a été très, très loin, quand même. C'est vrai, ça? Oui, enfin... C'était leur manière. Après, c'était pas... Moi, j'étais effrayée parce que je venais d'avoir juste 18 ans. Je ne connaissais pas les lois, mais en réalité, ce n'aurait pas été possible d'appliquer ça. Mais c'était vraiment pour que je confirme les enregistrements qui étaient déjà là. Et oui, mais après, je ne pense pas que c'était... Mais aujourd'hui, vous êtes libérée. La question de... Vous n'êtes plus escort girl, vous n'êtes plus qu'actrice. Oui, bah oui, ça c'était il y a très longtemps. Je l'ai fait que pendant un an quand j'étais beaucoup plus jeune. Et pour moi, c'était un... passe-temps de jeunesse et surtout une manière d'appréhender ma sexualité. Oui, j'ai lu que vous vouliez avoir une vie sexuelle vivante. Oui, c'est et que, après tout, vous avez mélangé l'utile et l'agréable. Oui. Ça veut dire que vous avez eu une vie sexuelle débridée, enfin, très bien, super, voilà. Et qu'en même temps, bon, alors vous avez fait un truc que tout le monde n'apprécie pas forcément. C'est que c'est tarifé. C'est que c'était tarifé. Oui, mais en même temps, quand c'est pas tarifé, c'est quoi ? On fait la même chose, l'acte est le même. Ah, je te confirme, mais c'est pas pareil. Donc. Qu'est-ce qui change? Vous êtes née à Gris, dans le nord-ouest de l'Algérie. Vous étiez la première de votre classe. Vous rêviez de devenir pilote d'avion, sauf qu'à 10 ans, vos parents divorcent et vous arrivez en France. Et là, vos rêves s'effondrent. Oui, exactement. J'étais très excitée à l'idée de venir en France. Mais en même temps, j'avais ce stress...
Par rapport à la langue et le fait de rattraper mon niveau scolaire. Vous ne parliez pas français quand vous êtes arrivée. Non, je ne parlais pas français, non. Et là, soudainement, vous êtes passée de première de la classe à dernière de la classe. Et pour moi, c'était le pire cauchemar. Et vous n'arriviez pas à rattraper les choses? J'arrivais pas à rattraper parce qu'on a eu des soucis personnels quand on est arrivé en France. La première année, on n'avait pas de maison, on était ballottés de maison en maison. Du coup, je n'ai pas pu rester dans la même école. Et du coup, oui, j'ai raté la première année. Du coup, le gouffre était encore plus important. Et là, vous commencez à grandir, vous avez 14, 15, 16 ans. Vous voyez bien que vous ne grandirez pas de manière normale. C'est... Et vous voyez un corps qui commence à se développer. Vous vous dites, je vais utiliser mon corps comme une arme. Oui, c'est ça, parce que je voyais qu'il y avait un chemin tout tracé pour moi, que je n'allais pas pouvoir concrétiser mon rêve d'être pilote d'avion avec mon niveau qui était extrêmement bas. Et j'étais extrêmement triste. Et je me suis dit, je vais essayer de te capitaliser sur autre chose. Ouais. Je me suis dit, peut-être qu'il y a autre chose qui viendra de là. Mais je n'avais pas envie d'aller vers quelque chose de triste, tout tracé. Et là, vous commencez à mettre en valeur votre corps, à mettre des mini-jupes, et puis à cette cambrure. Je ne sais pas si on peut revoir la photo quand je vous ai interviewé, parce qu'elle me fait tellement marrer. Je l'ai mis sur Instagram de vous et moi, parce que tout le monde me disait, mais est-ce que c'est vrai ou pas cette courbure? Regarde-moi ça. Il y a un Photoshop. Non, c'est vraiment elle. Fais attention à ta colonne, mon petit, fais attention. C'est pas retouché, ça. Ben non. Non. Juste dire quand même. C'est vous qui avez la photo. C'est moi qui ai la photo, mais par contre, j'ai pas la courbure. Hein, ça, je... Mais si. Juste un petit mot quand même, parce que j'ai lu de son enfance où elle a vécu quand même des choses absolument terrifiantes au milieu de la mort, au milieu des assassinats, au milieu des attentats, et qu'elle est sortie de ça quand même pour arriver en France, et que cet enfant qu'elle était a quand même vécu ce que nous ne connaissons pas ici. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Oui. Ça faisait partie de son passé. Oui, les années 90 en Algérie, c'était très très compliqué. C'était une période horrible pour tous les Algériens. Le GIA, le FIS. Exactement, oui. C'était traumatisant. La guerre civile. Donc c'était la trouille tous les matins de voir quelqu'un débarquer. Ah oui, d'avoir un barbu qui rentre et qui vous égorge. Moi, c'était à ça que je pensais tous les soirs avant de m'endormir quand j'étais petite. Voilà. Depuis 13 ans, depuis l'affaire Benzema Ribéry et l'affaire du foot qui vous éclabousse, vous avez, je le dis, réussi à vous faire un nom. Karl Lagerfeld disait de vous, elle est fascinante et très intelligente, et on le voit ce soir. Pierre et Gilles, vous avez posé pour eux en Marianne. Vous êtes devenu hype. Vous aussi, vous avez posé en Marianne. On a les deux photos. Tiens, on regarde. Ça, c'est Zaya et ça, c'est autre style. Autre style, mais bien les deux. Super. Vous dites que quand même, vous avez beaucoup souffert, même ensuite, en vous battant pour être actrice et chef d'entreprise. Oui. Vous n'aviez pas d'amis. Vous dites, je pleurais toute seule. J'avais personne à qui appeler. Je me sentais rejetée. Vous êtes partie à Londres pour ça, Oui, un peu pour ça. C'était pour apprendre l'anglais et en même temps pour casser ce schéma. J'étais tout le temps à la maison toute seule. Et quand j'avais envie de sortir dehors, aller dans une terrasse, il faisait beau, j'avais même pas une seule personne que je pouvais appeler pour aller dîner avec. Pourquoi vous n'avez pas d'amis? Je ne sais pas, mais ça a toujours été quelque chose de compliqué pour moi depuis que j'étais enfant. Pour moi, les rapports humains, c'est extrêmement compliqué. J'étais toujours seule, j'essayais par tous les moyens. On essayait de me présenter des gens, d'organiser des choses. Et des fois, quand j'avais une invitation où il y avait un événement, je disais à ma mère, je suis invitée, c'est des personnes de mon âge. C'était un événement, ils étaient tous là, avec les personnes avec qui je travaille, à m'applaudir. Ouais, bravo, c'est trop bien. Vous auriez pris votre carte du Parti communiste, vous auriez eu plein d'amis. Bon, un mot sur l'amour, parce qu'on en parlait au début de l'émission. Il y a un an, vous faites un truc sur Instagram Live, oui, en noir, vous péter un plomb, entre guillemets, vous dites « je suis devenue folle oui. », vous vous filmez et vous racontez qu'un homme dont vous étiez très amoureuse oui. vous a violentée physiquement, moralement, a abusé de vous. Oui, c'est ça. Et ça s'est fait petit à petit. Comme je n'avais pas vraiment de connaissances par rapport à ce sujet-là, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et j'étais manipulée petit à petit et je ne comprenais pas. Petit à petit, je dérivais vers la folie. Et il me rabaissait, j'avais perdu toute confiance en moi. Même le fait d'aller juste acheter des fruits, j'avais peur, je pleurais, j'avais l'impression que j'étais laide, je me cachais. Et pourquoi vous avez eu envie et besoin d'en parler?
Ah, sur Instagram, vous... Ah, parce que j'étais à deux doigts de devenir... Centaines de milliers de followers. Je devenais réellement folle. Ah, vous avez même pensé au suicide, même. Ah oui, oui, j'ai essayé de me suicider. Je me suis mutilée. Et j'étais, quand j'ai fait ce live, j'avais une douleur tellement immense que je ne contrôlais plus rien. La douleur était tellement forte que j'avais même perdu mes capacités mentales. Et même, je me mets dans la rue, j'étais, d'un coup, je m'asseyais par terre, et je hurlais, je pleurais. Beaucoup de personnes m'ont croisée dans cet état-là et qui m'ont consolée. Et pourquoi vous n'avez pas porté plainte ? Et vous savez ce qu'on m'a dit ? Ça sera votre parole contre la sienne. Et vous n'avez pas beaucoup de preuves parce que c'est de l'abus émotionnel. Et surtout, il a volé mon téléphone. Déjà, ça, ce n'est pas bien. Il a effacé toutes les conversations et les échanges qu'on avait qui pouvaient prouver que c'était un manipulateur et qui me mettait une certaine pression émotionnelle. Il espionnait mon téléphone. Il a hacké mon téléphone. Il est reparti même 3 ans en arrière. Il avait toutes les conversations. Il est où ? À Londres. Et vous l'avez quitté, terminé. Ah oui, bien sûr. Fini. Oui. Mais la police. On ne le salue pas hein, ce soir. Ah, ils savent, mais c'est sa parole contre la mienne. Ah oui, et lui, il fait l'inverse. Il dit bah, c'est elle la folle, c'est elle l'hystérie. Oui, c'est ce que font les hommes qui mettent les femmes sous emprise, bien sûr. C'est ça. Et dans l'apparence, on pouvait vraiment croire que c'était moi l'hystérique. Parce que c'était moi qui étais en pleurs, en train d'hurler, d'agoniser de douleur. Aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à un homme à nouveau ou c'est ah, fini? Ah, pas du tout, jamais. Jamais, jamais. Oh, c'est dommage. Comment ça, jamais? Mais si, ça jamais. Viendra, ça viendra. Ah, non, même moi. Ça, c'est la meilleure blague de la soirée. C'est la meilleure blague. Glisser comme non, ça, l'air de rien. J'ai lu que vous aviez dit ça, mais je vous assure, vous êtes vraiment une gamine déjà. Et je vous assure qu'un jour, il faudra, d'abord, parce qu'il y a des hommes qui valent la peine qu'on ait confiance en eux. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup, Christophe. Pas beaucoup, oui. J'ai dit pas beaucoup. J'ai mais dit pas beaucoup. Est-ce que vous êtes moins lucide. Seule aujourd'hui Oui, je suis moins seule, ça, oui. Ça, c'est bien déjà. Oui, ça, c'est bien. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui, très heureuse. On est heureux pour vous. Ouais, je vais vous faire une interview Gad Elmaleh. Vous répondez rapidement. D'accord. Ce qu'il y a d'Algérien en vous. Mon caractère. Ce qu'il y a de Français en vous. Je dirais ma passion. Oui. Ce qu'il y a de musulman en vous. De musulman, moi, je pense la bonté. Ce qu'il y a de laïque en vous. De laïque en moi. Marianne. Oui, non, exactement. Et surtout, je pense la liberté. Est-ce que c'est, je peux dire ça? Oui, la liberté. Mmh. Ce qu'il y a de masculin en vous. Pas grand-chose. Non, non, beaucoup, non, non. Non, on parle moralement, mentalement. C'est masculin, en vous. Je pense Oui, ma manière de vivre, finalement, c'est très masculin, de prendre des décisions, de... D'être libre. Oui, d'être libre. Ce qu'il y a de superficiel en vous. Je pense les cheveux, le maquillage, la robe. Ça, c'est superficiel. Ce qu'il y a de naturel en vous. Tout mon corps. Tout est naturel. Ah oui, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Comme moi. Jamais. Ce qu'il y a de Barbie en vous. Ah, de Barbie en moi. Ben, je pense ma manière de m'habiller, non? Ah, Barbie la poupée. Oui. deuxième bonne vanne. Deuxième la meilleure. Deuxième bonne vanne. Allez, pour finir, ce qu'il y a d'Isabelle Adjani en vous. Ben, j'adorerais dire le jeu, mais ce serait non. Mais je deviendrais excentrique. Un peu de patience. Totalement égocentrique. C'est votre modèle, Isabelle Adjani? Ah oui, tellement. C'est une actrice incroyable. Oui, ben, j'adorerais dire le jeu, j'adorerais, mais ça serait tellement égocentrique, je ne lui arriverais même pas à la cheville. Prétentieux, ce serait. Prétentieux, oui. Tout le monde aime Isabelle Adjani, hein, c'est comme ça. C'est compliqué de ne pas aimer Isabelle. Hein. L'air de la mer rend libre, réalisé par Nadir Moknesh. C'est mercredi en salle. Très beau film, allez le voir avec Zaya Dehar. Merci Zaya d'avoir été avec nous. Paul. Magnifique. Magnifique interview. Et ce que je retiens de cette interview, Zaya, c'est que le cinéma, la mode, tout ce que vous touchez se transforme en or. Même Benzema, il a eu le ballon d'or depuis. Très bonne, celle-là. Zaya, vous restez avec nous, on va parler politique. Ça vous intéresse, la politique? Oui.
avec la personne qui est à côté de vous, en attendant Philippe Cavrivière qui va venir nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben là, il est très concentré. Il est très concentré. Il arrive dans quelques instants, Philippe Cavrivière. Fabien Roussel, rebonsoir. Vous êtes député NUPES du Nord, secrétaire national du Parti communiste, s'il vous plaît. Ah bah déjà, ça commence bien. Il faut dire ça. Ah bah déjà, ça commence bien. Donc quand on vous appelle, c'est donc fini. Non, c'est pas ça, mais... Scission. Non, mais j'y tiens. Non, mais vous êtes je suis député d'une formation politique. La NUPES n'est pas une formation politique. Sur les affiches avec je NUPES. Suis, non, je suis député du Parti communiste français. L'interview commence bien. Mais non, mais c'est important. Mais vous avez quand même fait 2-3 accords avec la NUPES à un moment donné. Hein? Oui, c'est on fini. On va en parler. Moi, je pensais vous amener doucement à la NUPES et tout. Mais si vous voulez, on parle tout de suite. Vous êtes le leader de gauche préféré des gens de droite. Il paraît. Ça vous plaît? Bah, quand on veut rassembler la France, il faut savoir parler à tout le monde. Oui. C'est parce que vous dites, j'assume d'aimer le bon vin, le bon fromage, non, la bonne viande. Non, c'est la caricature. En tout cas, vous avez beaucoup fait parler cette semaine, puisqu'il y a eu cette fameuse polémique avec les insoumis qui vous ont comparé au collaborationniste nazi Jacques Doriot. On va en parler, vous allez réagir. Vous allez répondre à Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il vous a mis en cause. On va aussi parler du pouvoir d'achat et de l'immigration. Mais d'abord, ça fait presque 5 ans que vous êtes à la tête du Parti communiste. 5 ans, c'est quasiment un quinquennat. Quelle note vous mettez sur 10? Voilà. On ne se note pas soi-même. Cette question. Non, bah si, bah, on se note pas soi-même. C'est comme si vous, je vous demandais quelle note vous notez pour elle se mettrait 9. Belle époque. ce soir, elle est très bonne, ma note. En tout cas, ce soir, je vous mets 10. Allez, ouais, on a une nouvelle séquence dans l'émission, ça s'appelle le Bureau des légendes. On vérifie certaines rumeurs autour des politiques. Vous ne vous appelez pas Fabien par hasard, c'est un hommage de vos parents au colonel Fabien, qui était un grand résistant et qui est aussi la place. Voilà, la place où se trouve le siège du Parti communiste. Place du colonel Fabien, ça fait PCF. Et c'est pour ça, c'est drôle. Ah oui, j'avais jamais pédé. Et en fait, effectivement, mes parents m'ont donné ce nom en hommage au colonel Fabien Pierre-Georges, qui a été le premier à faire un attentat contre un soldat allemand, un nazi. Vrai ou faux, voilà. Vous avez vécu au Vietnam ado? J'ai vécu avec mon père qui était journaliste là-bas et il m'a emmené dans ses bagages. Ouais. Vrai ou faux, vous avez été journaliste dans une autre vie? Oui, je commençais à filmer, là je suis avec mon père, j'étais journaliste reporter d'images. Ouais. Ben justement, on va vous voir, on va vous écouter, on va fact-checker. Voilà, on va fact-checker une de vos premières télés. On est en 96, vous êtes journaliste pour France 3 Régions et on vous envoie ce jour-là en Moselle pour enquêter sur une chaîne locale, Télé Écureuil. Ça va bien se passer. J'étais arrivé très tôt le matin à Cocherennes, un petit bled de Moselle, à côté de Forbach. C'est les membres du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les pompes de la télé, qui m'avaient demandé d'aller voir ce qui se passait ici, avec la chaîne locale. Ils avaient bien eu vent de la volonté d'installer le câble par le biais d'une régie municipale, qui aurait tout pris en charge. Mais depuis, rien, zéro. Silence radio sur les ondes de la courtoisie. J'étais là pour en savoir plus, rouer dans les brancards et jouer du bourre-pif. Je n'avais plus qu'à rentrer à Paris et faire mon rapport. Et ce que je retenais de tout ça, c'est qu'il existait une législation un peu lourde pour les chaînes locales, qu'elles devaient faire avec ou alors la contourner, en attendant que ça change. Yann ? Honnêtement, hein. On dirait le début d'un porno allemand de 1977. Vraiment, mais je vous la assure. La musique, on ne l'a pas rajoutée. Hein, mais la non, musique, mais c'est j'avais vrai, fait là, on dirait parodie. C'était un porno. C'est un porno. Non, c'était une série américaine avec un acteur qui faisait le polar et qui faisait comme ça. C'était son style. J'ai voulu reprendre le style. Vous êtes sûr que ce n'était pas l'allemand, la Derrick? En tout cas, vous avez bien fait de changer de métier. Merci. Il y a 25 ans, vous avez commencé la politique sous Jospin. Est-ce que c'est vrai ou faux? En cabinet ministériel, est-ce que c'est vrai ou faux? Et vous étiez rasé et vous portiez une boucle d'oreille dans le ministère? Tout à fait. J'étais conseiller auprès de Michel de Messine, qui était secrétaire d'État au tourisme. Et c'est là où j'ai découvert la politique et les cabinets ministériels que je ne connaissais ni des lèvres ni des dents. Oh là là, je la note. C'est De Chavanne qui lui a écrit cette.
pas sympa pour Christophe. Moi aussi. C'est les blagues les plus nulles que j'aime, moi. Vrai ou faux, votre premier slogan de campagne, il y a 20 ans, quand vous étiez candidat au cantonal, c'était « Je vote communiste et je t'emmerde ». Oui, bah, je vous en prie, quand même. Bah, c'était vous. Alors, oui. C'est vrai, c'était ça le slogan. Oui, mais il y avait un cri de colère. J'étais à Lille à l'époque. Regardez ce qui est écrit au-dessus. 10 000 licenciements en un an. Dans mon département, dans le Nord, il y avait l'usine Altadis à côté qui était en train de fermer. J'étais avec les ouvriers, avec eux tous les jours. Il y avait de la colère, il y avait de la rage. Et j'ai exprimé cette colère. Et cette affiche, elle a été faite avec Charb. Et c'est lui qui l'a dessinée. Je lui rends hommage. Et donc, on a fait ça ensemble. Un coup de colère, un point levé, un gros mot. C'est pas bien, dont acte. Voilà, mea culpa. C'est pas grave. Mais il y avait ça derrière. Il y avait ça derrière. On vous pardonne, hein, ça va. C'est vrai que vous êtes pote avec Gérald Darmanin ? Pas pote, mais... Il a dit la même chose. Hein. Darmanin, il a dit pas pote. Pas pote mais... Darmanin a dit, je suis copain avec Fabien Roussel et je vous emmerde. Voilà. Vous l'aimez bien, Gérald Darmanin ? Non, on s'est connus. On s'est connus il y a longtemps, quand moi j'étais responsable départemental. responsable départemental du Parti communiste dans le Nord. Et lui, pour l'UMP ou les Républicains, je ne sais pas, parce qu'ils changent de nom régulièrement. Parce que ses parents habitaient... Et donc on se côtoyait, non, on ses parents habitaient, voilà. Ses parents habitaient là où vous étiez. Et alors, à l'époque, on était à Lille, mais effectivement, son arrière-grand oncle a été à libérer la ville de Saint-Amand-les-Eaux où je suis élu et donc on se côtoie régulièrement quoi. Voilà. C'est beaucoup de justifications. Oui, non, je justifie pas. Ce que je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est qu'on se connaît de par des relations politiques. On a des idées qui sont diamétralement opposées. On est adversaires. Surtout, mais on se connaît. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas dire que je le connais surtout, pas. Et... Surtout, vous avez des idées diamétralement opposées avec Darmanin. Surtout. Ah bah. Quand même, ça fait 7 ans qu'il est membre d'un gouvernement que politique. Je peux, on pas. Ah ben, bah, on peut lister la retraite à 64 ans, la suppression de l'ISF. Sur l'immigration, j'attends de voir ce qu'il va mettre dans sa copie. Mais moi, je demande la régularisation des travailleurs sans papiers. On va voir. Mais vous n'avez pas toujours demandé ça. Vous avez été pendant la campagne présidentielle. Vous étiez un des rares à gauche qui avait une position très ferme sur l'immigration. Vous dénonciez notamment les frontières passoires. Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ah non ? Alors écoutez, c'est Jacques Chirac, là. Jacques Chirac. Alors là... J'y étais, vous savez. J'y étais, monsieur. Écoutez, vous, je ne comprends pas très intelligent, mais je vais vous expliquer, madame Salamé. Alors là... Je m'attendais à une imitation de Georges Marchais, mais on n'a pas eu de... Jacqueline, fais tes valises, on rentre à Paris. Vidéo, là. Monsieur Fabien Roussel, vous allez me sortir là où je dis ça, mais je n'ai jamais dit ça. Quand je parle des frontières passoires, et je l'ai fait, et je vous le redis ce soir, c'est que je trouve que l'Europe, la France, a des frontières passoires en ce qui concerne, par exemple, l'argent, la fraude fiscale, l'évasion fiscale. Alors là, pas de frontières. Et l'argent circule, s'en va et nous échappe. Quand il s'agit de nos usines, de notre industrie, de nos machines, pas de frontières. Délocalisation à gogo, ça part en Chine ou ailleurs. Et là, pas de frontières. Les entreprises et nos emplois partent avec. Par contre, quand il s'agit d'hommes, de femmes, d'êtres humains qui traversent la Méditerranée, et alors là, il y a des frontières. Et là, on ferme et 28 000 morts en l'espace de 10 ans dans la Méditerranée. Les 11 000. Non. Madame Salamé, c'est exactement ce que j'ai dit en parlant des frontières passoires. Ça avait fait scandale, ce que vous avez dit notamment. Parce que j'ai utilisé ce terme en disant... Parce que c'est une expression qui est réservée en général à l'extrême droite. Mais c'est pas grave. Parce que quand on parle des frontières, on les applique pour les gens. Et la fraude fiscale, qui est un des combats que je mène, alors là, on ne parle jamais de frontières. Fabien et ça Roussel, ne choque personne. Sur les 11 000 personnes qui sont arrivées à Lampedusa il y a 2 semaines, ouais. Gérald Darmanin a dit qu'on ne prendra pas un migrant économique. Ouais. On pourra accepter certains qui ressortissent de l'asile, mais zéro migrant économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision? Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut prendre notre part, ça veut dire quoi? Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je considère qu'il y a une hypocrisie dans notre société, dans nos sociétés. Par rapport à ces hommes et ces femmes, justement, qui traversent la Méditerranée ou la mer du Nord. Il y a une franche hypocrisie. Quand je vois... Vous savez, je vis à Paris maintenant 3 jours par semaine, depuis que je suis député, et quand je vois
celles et ceux qui commandent un wok le soir, hein, par, en passant par Uber, ils sont bien contents d'avoir là des travailleurs parfois sans papier, illégaux, qui leur ramènent leur manger, leur sushi, leur sashimi, et ça leur va très très bien, ils payent pas cher. Ce sont les mêmes qui ensuite vont dénoncer l'immigration clandestine, demander la fermeture des frontières, il faut, etc. Il faut prendre... Il y a une hypocrisie de la part aussi des responsables politiques, plutôt de droite, plutôt même du MEDEF, qui disent on a besoin de cette main-d'œuvre qu'on va pouvoir exploiter et réduire à l'esclavage en les faisant travailler sans contrat de travail, sans papier, en les exploitant comme ce n'est pas permis. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Et de l'autre côté, eh bien, il y a nous, il y a moi, par exemple, qui dit que ces hommes, ces femmes, quand ils sont dans notre pays, qu'ils travaillent aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des papiers, un logement, oui, un salaire. Mais vous ne m'avez pas répondu. Le sur les migrants économiques, sur les 11 000 de Lampedusa, vous seriez au pouvoir, vous en accueilleriez combien? Eh bien, je me battrai en tant que président de la République avec les autres chefs d'État de l'Union européenne à ce que chacun prenne sa part d'hospitalité. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il faudrait en accueillir 1 000. Vous en accueillez combien? Comme l'a dit d'ailleurs le pape, quand il appelle à la fraternité humaine et à l'hospitalité, parce que ces gens-là ne viennent pas nous envahir. Quand ils fuient leur pays, c'est jamais de bon cœur. Exactement. Ils fuient la guerre, ils fuient parfois les catastrophes climatiques. D'ailleurs, là aussi, c'est une hypocrisie sans nom. L'Afrique est un continent qui pollue le moins par rapport à l'Europe et aux pays du Nord. C'est le continent qui pollue le moins. Et par contre, c'est le continent qui va souffrir le plus du dérèglement climatique avec la montée des eaux, avec la sécheresse, la famine. Eh bien, nous, pays du Nord, qui polluons le plus, nous n'allons pas apporter l'aide nécessaire à ce continent, à ces pays, pour que les gens puissent vivre dignement chez eux, se développer et faire en sorte de participer au développement de leur pays. Et c'est en plus de ça, on leur dénie le droit de pouvoir venir ici quand il fuit la famille, Christophe, ou la guerre. Vous parlez de la mer du Nord, j'y étais la semaine dernière, parce que vous avez montré une photo, donc j'étais la semaine dernière à Boulogne notamment, et j'ai vu, parce que j'ai loué une voiture, et là où ma voiture était, il y avait le panneau de la société qui devait être un panneau de rendez-vous. Et donc là, il y avait peut-être 40 ou 50 migrants, plutôt jeunes, avec des jeunes femmes, mamans, avec des bébés, avec des jeunes hommes. Et je vous jure, ça m'a fait une peine immense de voir ces gens qui avaient leur vie dans un sac à dos de 20 cm3, qui visiblement étaient arrivés là, étaient très très fatigués, avaient rendez-vous avec un mec qui les a appelés au moment où je suis arrivé à ma voiture, ce qui fait qu'ils se sont tous précipités vers le mec qui était probablement un passeur et qui allait leur prendre 2 ou 3 000 balles pour traverser, si tant est que tout se passe bien. Et ça m'a fait une peine absolument infinie. Et je pense que quand vous parlez des Deliveroo, non seulement vous dites que les gens en profitent, mais ce n'est pas plus mal aussi que Deliveroo, parce que ça permet à ces gens d'avoir un job, justement. Mais il faut leur donner des droits. Mais je suis d'accord. Il faut leur donner un visa de travail. Je voulais juste dire que j'avais vu de mes yeux, pour la première fois, ce dont on me parle à la télé en permanence. Je l'ai vu, voilà, je ne l'avais jamais vu, en fait. Je n'avais jamais vu un groupe aussi important de jeunes gens migrants avec leur sac à dos dans lequel il y a leur vie, avec une pauvre doudoune émaillée. Et ça m'a fait vraiment une peine folle. Et je pense qu'il faut se rendre compte de ça. Il faut se rendre compte de l'atrocité que ces gens vivent chez eux pour se taper ce voyage de merde pour venir jusqu'à chez nous. Où ils risquent leur vie. Oui, bien sûr, si jamais même ils ne la perdent pas. Et je pense qu'il faut réfléchir à quelque chose. Et non pas pour fermer, mais parce qu'on ne peut pas humainement. C'est pas possible, en fait. Ça ne marche pas. Humainement, on ne peut pas, mais le problème, c'est qu'est-ce que vous faites des 300 000 à peu près sans-abri qu'il y a en France? Il va bien falloir, parce qu'il y a des questions sérieuses à se poser. Il y a beaucoup de Français qui sont sans-abri. Il y a combien de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté? Est-ce que les Français sont sans-abri à cause de la migration, tu veux dire? Non, pas du tout. Ah bon? C'est pas ce que je dis. Non, mais je dis, il y a tellement déjà de soucis à régler ici. Moi, je sais au Resto du Cœur, par exemple, là, quand j'ai vu l'autre jour qui disait qu'ils allaient fermer, ben, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans avec Jean-Jacques. Au Resto du Cœur, c'est vrai que c'est quand même assez dramatique. Donc comment on va faire? Parce qu'effectivement, il faut pas laisser tomber ces gens-là. Mais il faut les aider. Je vois moi aussi chez moi, que ce soit dans mon Nord ou ici à Paris ou quand je me déplace en France, les personnes qui sont sans domicile, qui dorment dehors, ouais. Et je demande pas leur nationalité. On a un devoir d'humanité. Oui, je parle pas de donc, nationalité. Mais je parle donc on a d'abord un devoir d'humanité. Et donc on doit apporter des réponses d'urgence. On a besoin de construire des centres d'accueil d'urgence, des hébergements d'urgence.
l'urgence aujourd'hui. Donc c'est votre solution, et, c'est votre proposition. Pour l'urgence, il faut le faire. Mais du travail on doit aussi. Laisser personne, on ne doit laisser personne dehors. On a un devoir d'humanité, de fraternité. Fabien Roussel, c'est pas un discours un peu naïf. Dans une société, quand vous voyez les populismes et l'extrême droite montée partout en Europe. On est dans une société qui nourrit l'individualisme, le rejet de l'autre Sophia partout. Aram. Alors qu'on a tellement besoin. Oui, mais ça fait 30 ans qu'on dit ça, ça marche pas, ça non plus. Sophia Aram. Mais quand moi je défends les jours heureux, quand je défends. Le fait que nous avons dans notre pays suffisamment de richesses, d'énergie, d'intelligence pour pouvoir... Mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, les mais gens parce qu'on ne met pas en œuvre. Mais attendez, essayez-moi. Sophia allait parler, pardon. Essayez-moi, oui, Christophe, vous verrez bien. Ce que je voulais ajouter, on oppose souvent ces deux choses et c'est là qu'on a un problème. C'est-à-dire qu'accueillir 1000 migrants, c'est rien. 1000, c'est rien. Et on devrait savoir le faire. Et on parle d'hébergement. Vous avez parlé d'hébergement. Je pense que la réponse, elle est plus dans le logement que dans l'hébergement d'urgence. Et quand on est passé d'hébergement à logement, on a transféré le problème. Il y a des hôtels d'urgence dans lesquels, des hôtels d'accueil d'urgence, des hôtels du 115 dans lesquels je me suis rendue à quelques reprises, dans lesquels il y a des femmes qui sont là avec leurs enfants depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Les enfants, ils sont nés. Ces femmes, elles travaillent en France. Elles n'ont pas de papier. Mais elle travaille. C'est elle qui nettoie les métros, c'est elle qui nettoie les gares, c'est elle qui nettoie nos bureaux. Et elles n'ont pas de papier. Les enfants, ils sont à l'école. Ils sont on là. Est contents de les avoir. Donc, quand on oppose les migrants aux personnes qui sont dans la rue, et c'est un vrai problème, il faudrait pouvoir traiter les problèmes sans les opposer, en réalité, pour pouvoir créer un tout petit peu de dialogue, je pense. Mais c'est pour ça que je dis, il y a l'urgence. L'urgence, pour des personnes qui sont dans la rue, c'est d'abord les centres d'hébergement d'urgence. Et ensuite, il y a la question du logement. Vous savez ce que j'ai fait cette semaine? J'ai réuni 10 maires, 10 élus, 10 maires, une commune de 2500 habitants à une commune de 110 000 habitants, Patrice Bessac, le maire de Montreuil, il y avait 10 maires communistes de France, que j'ai réunis en leur disant, je leur ai posé la question, demain je suis président de la République, on a Lampedusa qui est là devant nous, et je dis, il faut prendre notre part et on accueille. Et on en accueille 1000, 1500, 2000, on prend notre part. Et je vous dis, comment vous faites? Parce qu'il faudra le faire avec tout le monde. C'est pas le président qui décide tout seul, c'est la société qui doit accueillir. On doit accueillir tous ensemble. Donc je mets les maires devant leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez ce qu'ils m'ont dit, eux? Ils me disent, mais Fabien, on accueille. Parce que quand le préfet, il a l'instruction de placer, de trouver des solutions pour 10, 15, 20 familles, c'est toujours vers les mêmes que les familles sont accueillies. Toujours dans les mêmes villes où il y a beaucoup de logements sociaux. Où il y a beaucoup d'associations, où il y a beaucoup... Et c'est jamais dans les villes, mais je vais aller jusqu'au bout, c'est jamais dans les villes riches, c'est jamais dans les villes où il y a pas, où qui ne respectent pas la loi SRU sur les 25% de logements sociaux. C'est dans ces villes qui ne font pas d'efforts, où on n'accueille pas. Et donc, on concentre dans les villes où il y a beaucoup de logements sociaux, ben, tout, quoi, les difficultés sociales, les logements sociaux, l'accueil des migrants, c'est pas normal non plus. Et donc, ça entraîne aussi quelque chose, c'est que tous les gens qui sont autour, à ce moment-là, leur peur augmente encore mais plus. Bien sûr. Et donc, nous avons 35 000 communes dans notre pays. Et nous ne serions pas en capacité d'accueillir 1000 personnes. Ça a été le sujet de polémique numéro 1 cette semaine. La députée insoumise Sophia Chikirou, qui siège sur les mêmes bancs que vous à l'Assemblée nationale, au sein de la NUPES, parce que vous faites toujours partie de la NUPES, sauf si je me trompe. Vous faites toujours partie de la NUPES? Oui, d'un groupe de la NUPES, ouais. Oui. Et c'est dur, hein. C'est dur, hein. Il n'y avait pas tous les mots, d'ailleurs. Non. Les mots. Elle a posté sur Facebook un article de Daniel Schneiderman avec ce commentaire. L'histoire se répète, il y a du Doriot dans Roussel. Doriot, c'est un ancien communiste devenu collabo, qui a même combattu sous l'uniforme nazi pendant la guerre. Comment vous avez pris cette comparaison? Mais d'abord, je trouve... nous avons décidé de lancer une tribune qui a été signée par plus de 3000 élus de tous bords. L'insulte n'a pas de place en politique. J'ai trouvé ça extrêmement choquant et j'appelle à ce que l'insulte n'ait pas de place en politique. Et quand je dis ça, c'est pour répondre à Sophia Chikirou et à Jean-Luc Mélenchon, qui m'ont insulté et qui manient l'insulte en art oratoire. Je leur dis à eux, mais ça s'adresse à tous les militants, y compris aux militants communistes. L'insulte n'a pas de place en politique. Et nous devons savoir débattre de nos idées sans s'insulter, en exprimant nos différences. Ça doit mettre en colère quand même quand on entend ça. Vous avez raison. Mais on doit pouvoir quand même débattre. Oui, mais on n'a pas envie de répondre.
c'est valable dans la vie politique, c'est valable dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale où les insultes. Oui, mais eux, ils sont très insultants. Enfin, je veux dire, on le sait. Mais, oui, mais justement. Donc moi, je rappelle, stop. Alors, Jean-Luc Mélenchon vous a répondu. On l'écoute. C'était sur Inter. Nous sommes tous mal à l'aise des propos qu'il tient dans un certain nombre de domaines et je ne veux pas récapituler ici. Ce n'est pas moi qui ai une divergence avec lui, c'est lui qui a une divergence avec ce qu'il a lui-même signé, qui est l'accord que nous avons fait sur 640 points. Monsieur Roussel a décidé tout seul, et il est le seul à avoir fait ça, qu'il n'y aurait plus de candidature commune, ni aux européennes, ni aux municipales, ni aux présidentielles. Cet homme a donc décidé, de sang-froid, de nous remettre dans une difficulté déjà plus grande que celle dans laquelle on est. On est tous mal à l'aise quand on voit que le résultat, ça a donné à la présidentielle Mme Le Pen au deuxième tour. Je n'ai pas de querelle avec M. Roussel. Je n'en ai pas et ça ne m'intéresse pas. Et ces opérations de créer des chicayas toutes les semaines, je n'y réponds pas. Eh bien, heureusement qu'il n'en a pas. Cela dit, ils doivent l'avoir comme ça. Je veux dire, à la présidentielle, vous vous présentez, vous faites 800 000 voix, 2 et quelques pourcents, ce qui n'est pas gigantesque, mais ce qui suffit à Mélenchon, à qui il manque 400 000 voix, d'être au deuxième tour, de ce que je sais, hein, bah, peut-être je me trompe, d'être au deuxième tour à la place de Mme Le Pen, donc il va avoir les boules comme ça. Bah, ça, ils ont les boules. Mais... Et là, j'ai envie de vous dire tellement les boules que Adrien Quatennens, qui est un des hommes de Jean-Luc Mélenchon, dit à cette expression très, très, très poétique, le poil de fesse qui manque à Jean-Luc Mélenchon pour être au second tour, on peut le nommer, c'est Fabien Roussel. Oui, les voix de Fabien Roussel nous ont manqué. À 400 000 voix près, on était au second tour devant Marine Le Pen. Et donc, on peut se demander, vu que maintenant que vous ne signez plus pour les européennes et pour les autres dont vient de parler Jean-Luc Mélenchon, pour eux, vous devez être un peu le mec qui vient dîner à table, qui vient manger l'entrecôte et qui se barre avec les couverts et l'assiette. Non, mais en gros, est-ce que c'est possible qu'ils ressentent ça ? Fabien Roussel. Ah non. Parce que vous surfez sur les 20% de Mélenchon quand même. Ça n'a rien à voir. Vous avez 20, 22 députés ? Ouais, mais ça n'a rien à voir. Eux, ce qu'ils pensent. Non, eux. Mais. Non, attendez. Ils peuvent avoir les boules ou pas ? Non, je ne suis pas d'accord. D'abord, moi, j'ai les boules parce que, à cause du vote utile au second tour de l'élection présidentielle, enfin, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, le vote utile a fait que tous ceux qui n'ont pas voulu, qui s'apprêtaient à voter pour moi et qui ont eu peur de ce duel Macron-Le Pen, m'ont quitté et sont allés voter Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, tous ceux qui ont eu peur de ça sont allés voter pour lui. Donc il m'a fait les poches. Moi, j'ai perdu beaucoup d'électeurs. Ceux qui sont restés, qui ont voté pour ma candidature, n'auraient jamais voté pour Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, depuis les élections présidentielles, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts quand même. La situation en France aussi a changé. Moi, j'ai défendu des idées qui ne sont pas reprises dans l'accord de la NUPES et je tiens à défendre ces idées. Je suis un homme de conviction. Mon parti défend des propositions pour la France, pour la redresser. Mais et je souhaite que l'on puisse défendre ces idées, comme avec d'autres. Vous parlez avec Jean-Luc Mélenchon ? Alors, Jean-Luc Mélenchon, je crois que depuis le premier tour de l'élection présidentielle, m'a jamais adressé un mot. Je l'ai appelé, je lui ai envoyé des SMS, j'ai vu qu'il ne répondrait pas, j'insiste pas. C'est tout, les ponts sont coupés. Je le regrette en même temps. Mais comment vous avez fait alors après que les ponts soient coupés pour vous accorder avec eux ? Bah parce qu'on parle par personne interposée, on a des pigeons. Non, je rigole. Sympa. C'est pas le bon mot. Hein. Non, ouais, les pigeons, ça fait référence à ce qu'on utilisait pendant la guerre. C'est fini la NUPES de toute manière, vous le dites, la NUPES est dépassée. Non, ça dépend ce qu'on y met dedans. C'est sans vous maintenant ? Laissez-moi juste 30 secondes. Mais on veut savoir, nous, parce que... 30 secondes. Si, on est en NUPES, si la NUPES, c'est à toute élection avoir un candidat unique, oui, c'est sans nous, parce que ça ne marchera pas. C'est ça qu'il vous reproche, oui, et notamment pour 2027. Eh bien, moi, c'est ce qu'il vous reproche, c'est 2027, c'est pas les européennes. J'ai justement des victoires de la gauche, du programme commun, justement. Eh bien, le programme commun, c'était un programme sur lequel on s'était mis d'accord, mais ça ne conditionnait pas des candidatures uniques, bon. On arrivait à avoir des candidatures séparées. Donc il y aura une candidature Roussel en 2027. Au second tour. Il y aura une candidature Roussel en 2027. Le programme que nous défendons, les propositions que nous défendons, elles seront présentes aux élections présidentielles. Et elles sont, si c'est moi, et elles sont communistes. C'est dans 3 ans, on a le temps. Elles sont communistes, ces propositions ? Elles sont de gauche. Et sincèrement de gauche. Mais c'est intéressant cette question. C'est quoi être communiste aujourd'hui ? C'est mettre l'humain, l'être humain, au cœur de toutes les décisions. Paul de Saint-Sernin. Au cœur de toutes nos décisions. L'humain, pas la thune, l'humain. Moi, j'hallucine, je trouve ça fou. Vos propres alliés vous traitent de nazis. Après ça, il n'y a plus rien qui vous touche. Par exemple, là, je vous dis trou du cul. Ça vous fait rien. Je vais vous offrir le livre de Yann Moix dont on va parler tout à l'heure. D'ailleurs, très belle photo, Yann. Hein.
Tu sais pourquoi la photo est belle? Pourquoi? Parce que je suis beau. Non. Non, je vois pas, c'est pas il parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des portraits et il parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon. Tiens, je vais vous demander de lire ce que vous dites sur Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est un journal qui date de 2016-2017, on précise. Mélenchon, en réalité, est fou. Dès qu'on aurait envie de le prendre en empathie, avec un sectarisme sorti de la préhistoire du gauchisme, il montre les dents. Un apparatchik caractériel qui n'a aucun égard pour personne en dehors de lui et qui a transformé son parti entre un fan club à la Clo-Clo et un Emmaüs pour tous les Robespierre aux petits pieds. Et vous rajoutez, j'ignore combien d'hommes se trouvent au-dedans de Mélenchon, mais ils sont un paquet, ils ne s'entendent pas très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Non, ça veut dire qu'ils sont répétés. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs là-dedans. Non, mais si je peux me permettre, Léa. Il y a quand même, dans l'insulte qui va au-delà de Fabien Roussel, de te faire traiter de Jacques Doriot, un homme qui défend la dignité de l'être humain, qui défend la dignité des migrants. Je conseille à tous les jeunes qui nous regardent d'aller sur Internet voir un discours de Jacques Doriot. C'est d'une pornographie politique immense. C'est la haine de l'autre, c'est la haine des Juifs, haine de l'étranger. C'est à la virgule près tout ce que Fabien Roussel déteste dans son ADN de la tête aux pieds. Et donc je trouve que cette accusation n'est même pas grave. Elle montre à quel point la NUPES et les insoumis peuvent parfois, par bêtise, frôler l'abjection. Par ignorance? Par bêtise, parce qu'ils savent vaguement qui est Jacques Doriot. Ça vous regarde même pas, cette insulte. J'ai plus envie de passer à autre chose en même temps. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que là où vous avez envie de passer à autre chose. Parce que si je peux me permettre de passer une image maintenant, c'est que j'ai retenu un truc que j'ai vu il y a quelques semaines ou mois, où vous êtes en visite avec Bompard, deux autres personnes et vous. Et c'est assez amusant parce que il y a Olivier Faure, vous allez à l'Élysée. Et regardez-vous à droite parce qu'il y a un body language. Vous faites chier, c'est-à-dire que regarde, alors qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai la liste des courses, qu'est-ce qu'elle m'a demandé ce matin? Alors, là, il y a le pain, là, il y a le rôti, attends, là, combien? Ah oui, un demi-kilo de rôti, faut pas que j'oublie. Là, parce que, qu'est-ce qu'il raconte côté à côté? Je m'ennuie à crever. Quand est-ce qu'on y va, là? Là, le body language, il est extraordinaire. Non, mais pardon, hein. Mais j'aurais été à votre place, probablement, je me serais fait autant chier. Mais je trouve que vous montrez là vraiment que vous vous dites « qu'est-ce que je fais là ?» Non, mais non. Mais c'est parce que ce que... Vous savez, le sondage que vous avez cité, qui dit Roussel, l'homme de gauche préféré, et à gauche, et à droite aussi. Hein, c'est vrai que le dernier sondage de cette semaine... Et à gauche, je veux dire. Oui, mais dire l'inverse. Ouais, quand même. Non, mais c'est surtout les idées que j'ai portées depuis quelques mois après les élections présidentielles. Et donc, c'est sur les idées que je veux me battre, moi. C'est alors, là-dessus. Oui, et donc, après, les insultes, je demande stop, il faut qu'on arrête, et qu'on puisse se permettre d'avoir une gauche qui soit certainement différente de celle que la France insoumise défend. Je pense qu'il y a de la place pour avoir une gauche républicaine, laïque, enfin, en l'occurrence, et je veux reconnaissez Fabien Roussel que défendre. Les Français, ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et pas pour vous à la dernière présidentielle. Il a pour lui les 22%. Mais bien sûr, mais ça, c'était il y a un an et demi. Vous pensez qu'ils ont changé? Je pense que ça change, oui. Et je souhaite que ça change. Je souhaite que ça change. Et je souhaite que la gauche gagne, et elle ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon. Photocall. Je vous montre des photos. Quelle est la question que vous poseriez à ces hommes ou ces femmes s'ils étaient devant vous? Jean-Luc Mélenchon, on commence par lui. Une question. Merci Jean-Luc. Non, une question. Pourquoi tant de haine? Emmanuel Macron. 7 ans. Quand est-ce que tu vas enfin augmenter les salaires et les indexer sur l'inflation, en commençant par les agents de la fonction publique? Parce que, monsieur le Président, c'est vous le patron. Marine Le Pen. Maintenant que je suis nazi, on déjeune? C'est pas moi. C'est pas moi. Qu'est-ce qui a imité ma voix? C'était Paul de Saint-Sernin. Bravo, Paul. Madame Le Pen, quand est-ce que vous allez dire la vérité quand vous dites que vous voulez augmenter les salaires en supprimant les cotisations sociales? Dites aux Français qu'en même temps, vous supprimez la sécurité sociale. Et ça, les Français, ils y sont attachés. Georges Marchais. Ah, Georges. T'avais raison quand tu disais « produisons français » il y a 40 ans. Aujourd'hui, tout le monde le dit.
et moi avec, et bravo, voilà. Ça, c'est une question. Ça, c'est une vraie question. Xi Jinping, le président chinois. Monsieur le président de la République chinoise. Attends, là, il n'y a pas une... Eh bien, si demain je suis président de la République, c'est fini nos usines qui partent en Chine, c'est fini nos aéroports et nos infrastructures qui sont en vente et qui sont vendues par vous. C'est fini nos terres agricoles qui partent. Donc, quelle heure est-il pour faire une question? Quelle heure est-il? C'est Xi. Quelle heure est-il, Xi? Oui, quelle heure est-il, Xi? Pardon. C'est nul. Faut pas que je m'essaye à faire des blagues, moi. Si, si. Non, non. C'est drôle. Édouard Philippe. Édouard Philippe, mais Édouard, pourquoi vous continuez à vous arc-bouter sur la retraite à 64, 64 ans? Vous avez vu que les Français n'en veulent pas et vous continuez à la défendre. Bernard Arnault. Quand est-ce que vous allez enfin mettre fin à l'optimisation fiscale qui est quand même votre sport national? Sandrine Rousseau. Alors, deux secondes avant qu'ils répondent, juste avant que vous répondiez, deux secondes, ça dure sept secondes. Sept secondes, c'était à la fête de l'UMA. Alors, bah, c'est un... Ah ben, elle est venue vous parler. Oui. On regarde. Sept secondes, on regarde. Non. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. C'est tout, vous pouvez lui poser une question. Qu'est-ce maintenant. Que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, je sais pas, bah, poser question, une question. C'est de la punchline. C'est une femme politique... Rousseau, comment ne pas comprendre que sans production d'énergie nucléaire, nous n'arriverons pas à tenir nos objectifs climatiques? Pas la peine de la regarder comme ça, c'est une photo. Hein. Allez, on termine avec Daniel Roussel. Ah, mon papa. Quelle question vous lui posez? Ben, salut papa. Je crois que j'ai trouvé une après-midi pour aller à la pêche tous les deux à Saint-Amand. Quelle question? Quelle belle question! Bah, c'est pas une question. Libère-toi une après-midi en novembre, j'ai trouvé. C'est pas une question! Petite libérée, allez, mois de novembre, si vous aviez, je crois que j'ai un créneau. Si vous aviez Fabien Roussel en face de vous. Bah, on se pose pas de questions. En même temps, si, on se pose des questions quand même. Je me pose des questions tout le temps. Pense à t'occuper un non, peu plus. Non, c'est faux, hein! Peux-tu penser. Fabien? Peux-tu penser à réunir un peu plus souvent la famille le dimanche pour des repas de famille qu'on aime tant? Avec de l'entrecôte. Il faut lui traduire en allemand, sinon il ne comprend pas. Fabien Roussel était notre invité, merci. Vous restez avec nous, il est temps de retrouver le meilleur expert politologue de France, Philippe Cavrivière. Ça salut mon Philippe, vous allez bien? Ça va bien. Bonsoir Philippe. Très belle émission, j'adore l'émission. C'est vraiment, je sentais qu'elle allait être bien cette émission. Et non, mais ça me rassure parce que ça monte le niveau par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière. Vous avez regardé l'émission la semaine dernière? Ouais, c'est vrai. C'était pas, hein, non Pascal, non, est d'accord, c'était pas ouf. C'était même carrément le bordel. Excusez-moi, faut le dire, il y avait même un chien sur la table. Respecte pas ma chronique. Déception pour les fans de bois dans ma tasse, on s'en branle. Non, mais pardon, on se la raconte, on se la joue lecho, et résultat, à l'arrivée, c'est 30 millions d'amis. Ah. T'as vu là, j'ai essayé très vite de galocher le chien, je pense que je vais avoir le premier MeToo avec un kleps. Un petit mitoutou. Non, le plus vexant après, c'est qu'on a reçu des tweets en disant « Le chien est plus marrant que Cavrivière, gardez le chien », donc je l'ai mal pris. Mais bon. Philippe, vous me disiez avant l'émission que vous étiez très content qu'on reçoive Yann Moix ce soir parce que vous aimez beaucoup ses livres. Oui, j'aime beaucoup les œuvres de Yann, car je vais vous surprendre, Léa, je sais lire. Ouais. Alors d'ailleurs, plus sérieusement, ce qui manque vraiment dans cette émission, c'est une chronique littéraire. Parce que c'est trop léger, c'est trop superficiel. J'aimerais qu'on parle des livres en profondeur. Je trouve que les chroniqueurs littéraires, je ne sais pas,
je trouve qu'ils se ressemblent tous. Déjà, ils sont tous mal coiffés. Pour être mal coiffé, pour être... ils ont des lunettes, parce qu'on gagne tous, on gagne des points de QI quand on a des lunettes. Puis ils se tiennent mal. Ils se tiennent mal, ils se tiennent toujours comme ça. Et puis, ils parlent comme ça, avec une petite voix comme ça. Et alors, ils ont un truc, parce que c'est Léa qui m'a appris. Ils font, alors, ils font ça, ils mettent des post-it pour faire croire qu'ils ont lu le livre. Léa, elle fait... Elle m'a... Et là... Et, tu vois, ils te foutent un coup de stabilo au hasard, comme ça, et là, voilà. Comme ça, ça fait la meuf qui a bossé, Léa m'a appris ça. Je confirme, hein. Et puis surtout... Regarde, il a bossé surtout, déjà. Surtout, ils mettent une petite musique de jazz pour avoir... Parce que ça fait intelligent, le jazz. Alors, ce soir, dans la petite papeterie, on va parler d'un livre formidable. C'est Hors de moi. Hors de moi de Yann Moix. Alors, on l'a adoré, c'est la petite papeterie. 1200 pages pour 32 euros, ça fait 0,026 euros la page. Alors, on ne sait pas du tout s'il est bien, mais en tout cas, il n'est pas cher. Et il y a beaucoup de livres cette semaine. Ça va intéresser Fabien Roussel. Il y a un livre formidable de L'Homme Invisible, une autobiographie très sincère de François Bayrou. Il est là. Alors, dans laquelle le triple candidat à la présidentielle se livre sur ses échecs, mais pas seulement, aussi sur ses ratés et ses fiascos. C'est aux éditions Calme-toi Lévi, c'est magnifique. Alors, un deuxième ouvrage. Deuxième ouvrage, on connaissait le philanthrope et l'humaniste. On découvre aujourd'hui Éric Zemmour, l'auteur de Polar. Ça s'appelle Dix petits nègres, c'est déjà neuf de trop. C'est formidable. C'est aux éditions Robert Lefion, c'est magnifique. Alors, la prochaine, alors ça va plaire beaucoup à notre ami Fabien Roussel, c'est un ami pour vous, c'est un frère presque, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sort ce livre « Tous des cons sauf moi ». Et on retrouve le sens de la formule et l'humilité de son auteur. Voilà. Et alors, pour finir, trois livres vraiment qui nous ont bouleversés. Il y en a un qui est totalement proustien, c'est Gérard Larcher qui écrit « À la recherche du pain perdu ». Ça, c'est sublime. Et puis, on a un livre qui a la force brute des grands romans américains, dans lequel Anne Hidalgo nous narre sa ville de Paris. Ça s'appelle « Des souris et des rats ». On a beaucoup aimé. Et puis, le coup de cœur de la rédaction, c'est torride, c'est subversif, c'est écrit par Jean-Marc Morandini. « Le vieil homme et le stagiaire ». Vraiment, je vous le conseille. Augustin Trapenard de oui. La Grande Papeterie, ouais, la grande librairie. J'aurai les boules, hein, parce que là, vous êtes prêts à le remplacer non, mais demain. J'adore en plus Augustin, je regarde régulièrement. On commence le tour de l'actualité politique de la semaine. Dimanche soir, Emmanuel Macron a répondu aux questions d'Anne-Claire Coudray et de Laurent Delahousse. Oui, le chef de l'État a fait un bilan sans concession de ces dernières semaines et curieusement, il s'est trouvé très bon. parce que Emmanuel Macron, en fait, il est président des Français et il est président de son fan club aussi. Il s'adore. Il est si j'ai existe, c'est d'être fan. Il est fan de lui. Et vous voyez, même Laurent Delamèche avait l'air modeste à côté de lui. C'est vous dire, pourtant, Laurent Delamèche, eh ben, il faisait modeste. Alors, les Français souffrent de l'inflation, ben, ils serrent la ceinture, mais Emmanuel Macron, il en a conscience, car il a déclaré, vous avez du mal à finir les fins de mois. Mais j'ai une bonne nouvelle. On est le 24, plus que 6 jours. Et positif. Alors, dimanche soir, il annonçait la grande annonce, pour ne pas dire la seule annonce de son interview, c'était le chèque carburant de 100 euros. Le lendemain, il présentait sa planification écologique contre le réchauffement climatique. Et oui, vous êtes pleine de sagacité, Léa, parce que vous avez pointé le paradoxe de la situation, hein, évidemment. Emmanuel Macron a donc prôné une écologie qui encourage l'utilisation de la voiture. Voilà. Donc, en fait, on connaissait les WC à la turque où on s'en fout partout. Macron nous propose l'écologie à la française pour le même résultat. On s'en fout partout aussi. Donc, alors, un peu de politique, un peu de fond. Alors, rembobinage. 23 août, Elisabeth Borne déclare « Il n'est pas question de faire de chèque carburant ». Et Bruno Le Maire d'enchaîner
c'est terminé, le quoi qu'il en coûte. Voilà. Du coup, très logiquement, Emmanuel Macron, le Qatari, derrière, il fait un chèque de 100 euros à 4 millions de Français. Donc, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, en fait, si on les branchait sur une dynamo à chaque fois qu'ils rétropédalent, on pourrait éclairer l'Île-de-France pendant 4 ans. Donc... Alors, le problème de l'écologie, c'est qu'on manque de figures incarnantes, de figures emblématiques. Et pourtant, Dieu sait, si on avait deux spécimens avec Nicolas Hulot et Jean-Vincent Placé, ils ont tout fait pour essayer de renouveler l'espèce, tout fait pour essayer de se reproduire. Et voilà, ça a raté. Rest in peace, Nico et Jean-Vince. Leclerc et Carrefour ont décidé de vendre leur carburant à prix coûtant. Total a annoncé le prolongement de son opération de plafonnement à 1,99€ le litre. Oui, alors pourquoi 1,99€ C'est parce que les spécialistes le savent, c'est un seuil psychologique, voilà, à 2€. Tout le monde voit ce que c'est une pièce de 2€. Voilà. Et ça, on regarde et puis on se dit, en fait, ça, si ça augmente, ça va être la circonférence de mon anus, si ça passe au-dessus. Du coup, c'est un seuil psychologique, mais c'est aussi physique. Parce que personne ne veut franchir sans consentement. Et en fait, au final, ça ressemble un peu à une pub Carglass, quoi. Carglass répare, Carglass remplace. Quand Elisabeth Borne m'a dit que l'essence allait passer au-dessus de 2€, j'ai eu mal aux fesses. Je dis, oh non, mon anus, il va être tout fissuré, Elisabeth. Heureusement, grâce à la résine, en moins d'un quart d'heure, mon anus est impeccable. Merci, Elisabeth Borne. Bon, toujours plus loin. Ouais, c'est ça. Toujours dans le cadre de la planification écologique, oui. Clément Beaune, le ministre des Transports, a annoncé que plusieurs projets d'autoroute seraient sanctionnés. Oui, Clément Beaune a annoncé l'arrêt de chantiers qui n'étaient pas encore lancés. En fait. Il est arrivé sur le chantier, il a dit, les gars, on arrête, hein. Les gars ont dit, oui, mais on n'a pas commencé. Ouais, mais arrêtez quand même, voilà. Alors, moi, je vais faire pareil. Je tiens à signaler à Margot Robbie que j'arrête notre relation, même si elle n'est pas encore totalement commencée, voilà. Sorry, Margot Robbie, I quite few. Voilà. En revanche, le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, ça, c'est vachement important, parce que c'est important que les gens puissent se barrer de Castres très vite. Il n'y a pas grand-chose à foutre à Castres. Ouais. À la limite, faites en sens unique, juste Castres-Toulouse. Alors, par conviction écologique, quand même, Clément Beaune arrête la construction des autoroutes, mais pas toutes. En fait, Clément, c'est un peu l'alcoolo qui dit « J'arrête de boire à la maison. Après, après dehors, avec les copains, c'est autre chose. » Et c'est un peu le zoophile qui dit « Bon, j'arrête les chiens, les chats et les chevaux. » Il fait « Oh, le petit lapin, regardez comme il est. » J'ai dit les chiens, les chats, les chevaux. J'ai pas dit le petit lapin. Allez. À tout à l'heure. Je vous laisse, j'ai un dette. Oh là là. Salut, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Philippe. Donnez-le-moi. 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 J'enlève les post-it qui servent à rien. Il m'a bousillé mon livre de vous, voyez. On va en parler dans un instant d'Hors de moi, votre journal Yann Moix, où vous dites des belles choses et des horreurs sur certaines personnes. On va en parler dans quelques instants. Oui, c'est un journal. On dit dans un journal ce qu'on pense. C'est un espace de liberté. Voilà. Mais vous êtes très, très libre. Très. Surtout pour certaines personnes qui prennent cher. Mais d'abord, Sophia. Sophia Aram, vous êtes l'une des humoristes les plus engagées, les plus talentueuses, les plus politiques et les plus courageuses de France. Vous avez déclaré récemment « J'ai de moins en moins envie de rire ». Je fais moins rire, mais l'époque me fait moins rire et je m'en fous de faire moins rire. J'ai dit ça. Ouais. J'ai dit ça surtout en chronique, en réalité. Vous avez dit ça surtout en chronique, mais c'est vrai que même en chronique, le matin, le lundi matin sur France Inter, vous nous faites rire, parfois rire jaune. Mais en tout cas, dans votre nouveau spectacle, vous nous faites vraiment rire. Ça s'appelle Le Monde d'après, c'est au studio des Champs-Élysées à Paris. Un spectacle où vous croquez ce que vous appelez la dinguerie de l'époque. Je vous cite, « Je dédie ce spectacle aux antivax, aux petites bourgeoises, le cul bien moulé dans leurs leggings. » Venant expier leurs vacances à Courchevel en faisant la promotion d'un islam rigoriste, aux antisémites décomplexés par la grâce d'un candidat réussissant l'exploit d'être juif et pétainiste, je le dédie ce spectacle aux complotistes, aux populistes, aux décérébrés qui les excusent autant qu'ils les utilisent et aux poutinolâtres.
tout le monde y passe. Tous ceux avec qui j'avais pas prévu de partir en vacances au départ. Tous les mecs sympas, j'allais dire, oui. Vous n'avez pas peur, parfois, dans tout ce que... Parce que Philippe Cabrivière, il va loin, mais vous, vous allez très très loin dans vos critiques. Et vous attaquez frontalement les gens. Je me pose pas cette question-là. En réalité, je trouve qu'on est dans un pays libre dans lequel on peut s'exprimer. Et si on s'interdit de s'exprimer par peur de quelque chose, c'est de toute façon, même quand on dit des propos qui sont plutôt sensés, on peut les découper et en faire dire autre chose. C'est ce qu'a vécu Fabien Roussel. Avec les frontières passoires. Voilà, mais c'est la même chose qui vous est arrivée la dernière fois avec votre sur la France qu'on aime, c'est celle qui parle français. On a extrait un bout et on en a fait autre chose. Donc en réalité, tout ça, c'est l'époque qui fait ça. Moi, j'ai pas peur de gêner, de déranger ou de d'irriter. Et puis après tout, on est là pour se marrer. Et puis s'ils ont pas d'humour, c'est tant pis pour eux, quoi. C'est pas grave. Et on se marre beaucoup dans votre spectacle, le Studio des Champs-Élysées. Ça a commencé depuis quelques jours. C'est déjà plein. On regarde. Il y a des racisés dans la salle, je suis hyper contente. Non mais il y a plein de racisés, on me les a mis devant. Je suis trop contente que vous soyez là ce soir. Namasté. Cœur sur vous et vagin avec les doigts. Mais moi par exemple, à chaque fois que je vais chez la gynéco, la seule question à laquelle j'ai toujours droit à la même, c'est... Et alors, elle est sympa Léa Salamé? Ségolène Royal, elle a quand même toujours été à la politique ce que la sodomie est à la reproduction. Divertissante, mais totalement inutile. Vous arrivez à être plus violent que Yann Moix. Non, Yann Moix, c'est plus fort que moi. Et puis pendant longtemps, Sophia Ram, vous avez été une icône de la gauche progressiste qui vous a même valu de la part de Marine Le Pen le surnom de chef des bobos. Ouais. Mais ça, c'était avant. Mais bordel, moi j'avais tout pour être de gauche. Tout pour être de gauche. Mais au lieu de ça, je suis devenue une vraie connasse de droite. Je suis la Sonia Mabrouk de l'humour, la Natacha Polony de l'Atlas, alors que j'avais tout pour être de gauche. Et c'est vrai que vous les irritez à gauche. Pourtant, vous aviez tout pour être de gauche, c'est vrai. Moi, ça. Je pense que j'ai tout pour être de gauche. C'est-à-dire et je suis de gauche. Ben, moi, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai grandi dans les quartiers populaires, comme on dit aujourd'hui. J'ai grandi dans une ville communiste à Trappes. Je suis fille d'immigrés. Je suis le produit de l'école de la République. On était fauchés à la maison, mais on bossait à l'école. J'ai fait du théâtre grâce à l'école. Enfin voilà, je suis le produit de la République française. Je suis laïque, je suis universaliste, je suis féministe. Et pourtant, aujourd'hui, dire ça, eh ben parfois, en disant simplement que je suis universaliste, laïque, on dit de moi que je suis d'extrême droite. Mais parce que vous n'êtes pas dans la bien-pensance, peut-être, c'est ça qui... Mais on m'a tellement dit que je l'étais, pourtant, autrefois. Oui, mais vous avez changé. Mais je ne crois pas que j'ai changé. Je pense que c'est la gauche qui a changé. C'est-à-dire ? Une certaine gauche. On est d'accord. Merci. C'est-à-dire. On est d'accord. Mais en fait, on va dire la même chose avec Fabien Roussel. Et pourtant, je ne pense pas qu'on soit complètement toujours d'accord. Mais en tout cas, en ce qui concerne la France insoumise aujourd'hui, ils sont là à nous donner des brevets de gauche ou d'extrême droite. Tout ce qui est contre eux est d'extrême droite, de toute façon. Moi, je continue de penser que moi, je suis de gauche. Maintenant, s'ils veulent penser que je suis d'extrême droite, dire que moi, en tant que fille d'immigrée, en tant que fille de culture musulmane, mais athée, moi, je ne me sens pas représentée par Médine, par exemple. Et je trouve ça insultant de considérer que c'est Médine qui représente les quartiers populaires. De la même manière, quand on est jeune, je ne suis pas sûre qu'on se sente représentée par Louis Boyard. Boyard, c'est un député de la France Insoumise. C'est un député de la France Insoumise, dont le seul fait d'arme, c'est d'avoir été chroniqueur chez Cyril Hanouna. En quoi est-ce Il est aussi chroniqueur chez Cyril Hanouna, Yann Moix. Mais il prétend représenter personne, Yann. Louis Boyard parle au nom des jeunes. C'est dégueulasse pour les jeunes, je trouve. Mais il a été élu, Sophia. Mais alors, il a été élu parce que la France Insoumise l'a mis en avant. On connaît le taux d'abstention. Et aujourd'hui, il suffit d'être passé à la télé pour être populaire. Et c'est ça qu'on veut comme politique. Ce qui vous gêne aujourd'hui dans la société en général,
c'est la victimisation. J'ai pas envie d'être une victime. J'ai jamais eu envie d'être une victime de rien. Je pense qu'il faut mettre en avant les, bah, je sais pas, les valeurs comme le courage. C'est bien ou le courage. Ou alors quand on est victime, pardon de ouais, couper, quand on est victime, enfin c'est bien de l'utiliser pour essayer de fabriquer quelque chose. Enfin, d'en faire dire, quelque on a chose, tous eu des souffrances. On a tous des casseroles, c'est vrai que, bien sûr. Voilà, on a des casseroles et c'est vrai que c'est bien de les mettre au service de quelque chose. Enfin bon, je sais pas. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. C'est ça, c'est la question que vous vous posez, vous. Ouais. Vous êtes toujours posé, parce que des souffrances, vous en avez eu dans votre vie. Ouais. Effectivement, vous êtes le produit de la méritocratie à la française. Vous avez souffert, vous en avez parlé une fois. Vous avez souffert notamment de votre mère, avec qui vous ne parlez plus. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Et, mais ce que vous avez voulu toujours, c'est en faire quelque chose. Mais c'est-à-dire, c'était pas un sujet pour moi. En fait, c'est mon sujet, c'est pas celui des autres. Et pour moi, ce qui m'importe, c'est d'être... d'avancer, mais je vais parler de vous, Zaya. Mais Zaya, c'est pareil, elle a fait des choses, elle a voulu avancer, s'émanciper et faire quelque chose de toutes ses souffrances et en faire quelque chose de positif et pas venir chialer et se victimiser et demander aux gens de pleurer avec nous, quoi. Sur les violences gynécologiques, par exemple, vous n'en pouvez plus de ces femmes qui disent quand elles vont chez le gynéco, elles ont l'impression de se faire agresser sexuellement. J'ai pas dit ça, j'ai dit que je ne comprenais pas l'accusation de viol quand on parle d'examen gynécologique. Il peut y avoir des violences. Et les violences, il faut les condamner, il faut les dénoncer. Les violences sont intolérables. Et il y a des examens qui peuvent être violents. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de viol ? Le viol, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre. Mais tout mélanger, eh ben, ça fait du tort à la cause. C'est ça que vous reprochez, au fond, à l'époque, c'est qu'elle mélange toujours tout. Moi, je comprends pas. Il y a une solution qui permet de régler tous ces problèmes. Une solution, c'est régler en quelques secondes. Prendre sa carte du Parti communiste. Ah oui, voilà. Vous l'avez payé ou quoi ? Sur MeToo, vous les cherchez les problèmes, Sophia Aram, quand vous dites la présomption d'innocence s'arrête là où la parole des femmes commence. Bah parce que moi, je crois au droit. Je crois quand même au droit. Parce que sinon, une société sans droit, c'est l'anarchie et c'est compliqué. Mais vous savez aussi que c'est difficile de prouver quand une femme... Vous voyez ce qu'elle... Vous voyez, ce qu'a raconté Zaya, par exemple, elle dit... répondu, c'est parole contre parole. Mais oui, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que malheureusement, parce qu'on lui a dit ça, elle ne l'a pas fait. Parce qu'il y a des personnes qui disent « de toute façon, on ne m'écoutera pas », on ne va plus porter plainte. Et on me l'a prouvé. Parce que la parole de la femme n'est toujours pas entendue. Et ben, il faut se battre pour que la parole des femmes soit entendue. Pour que les paroles des femmes soient entendues, il faut aussi former les policiers. Il faut aussi. Il faut des commissariats. Il faut des policiers formés. Mais il faut du droit. Et il faut du droit. Il faut du droit. Parce que sinon, il suffit d'accuser quelqu'un, le jeter en pâture. Ça s'est produit, on l'a vu. Et il n'y a pas eu d'affaire. C'est assez étonnant que ce soit Sophia Aram qui se langage là. Parce que c'est des langages d'hommes en général, que d'ailleurs moi j'accepte assez mal quand ça vient d'un homme, donc d'elle évidemment c'est différent, de dire que finalement la parole est un peu facile, que le droit n'est pas forcément respecté et qu'on jette en pâture des gens. C'est plutôt les hommes qui disent ça et en général je le prends assez mal, parce que moi je crois d'abord les femmes, quoi qu'il. Maintenant... J'ai un exemple à vous donner, c'est l'affaire Bayou. Julien Bayou, dont j'ai pris la défense, alors que c'était quelqu'un que j'attaquais, dont je me moquais plutôt en chronique. Julien Bayou, c'est un élu vert écolo qui a été accusé sur un plateau télé par Sandrine Rousseau, qui a dit qu'il avait eu des pratiques envers les femmes qui étaient de nature... qui était de nature à briser, je ne sais plus comment, quels avaient été ces termes, qui étaient la santé mentale, psychique. Des femmes. Sa femme. C'était d'une violence inouïe. Elle avait dit que cette personne avait commis une tentative de suicide, etc. Venir balancer ça sur un plateau télé, comment voulez-vous qu'il se défende ? De quoi est-ce qu'on l'accuse ? Est-ce qu'on l'accuse d'avoir violé une femme ? Et s'il y a une accusation de viol, c'est grave, il faut porter plainte et il faut le faire. Mais venir dire sur un plateau que ce type pousse les femmes au suicide, c'est dégueulasse. Vous y allez aussi sur l'extrême droite, sur les gens qui votent pour l'extrême droite. Ce que vous contestez, c'est la théorie selon laquelle ceux qui votent pour Marine Le Pen sont des gens qui souffrent forcément. Je dis surtout qu'on est responsable du bulletin qu'on met dans l'urne. Et que pendant des années, je l'ai dit, et j'ai dit que quand on choisit de voter pour Marine Le Pen, on vote pour Marine Le Pen. Et que le vote sanction, ça n'existe pas. On peut être désespéré aussi. Oui, mais là, on est désespéré et on croit que c'est une réponse, mais on a dit ça beaucoup trop longtemps. On peut se tromper, en fait. Oui, je sais. Oui. On a dit trop longtemps aux électeurs du Rassemblement National, qui est anciennement du FN, que c'était un vote sanction, que c'était un vote de souffrance. Moi, il y a des années de ça, j'avais fait une chronique dans laquelle je disais que j'avais du mal à faire la différence entre un gros con et quelqu'un qui pense que tous ces problèmes sont liés à la présence de Noirs et d'Arabes sur le sol français. Je continue de le penser. Maintenant, les gens qui votent pour le Rassemblement National votent pour la préférence nationale, pour le droit du sang.
C'est quand même ça, l'extrême droite. Donc il faut continuer de le rappeler. L'extrême droite, c'est pas Fabien Roussel. L'extrême droite, c'est Marine Le Pen. C'est un parti d'extrême droite. En plus, maintenant, on a le droit de le dire. Donc, ce qui est fascinant, c'est qu'on vous entend avec vos colères, avec vos indignations, avec vos prises de position aussi qui sont courageuses aujourd'hui. Honnêtement, sur tous les sujets, vous y allez. Sur les djihadistes, vous y allez. Quitte à vous faire traiter d'islamophobe. Et vous dites, chaque fois qu'on me traite d'islamophobe, c'est une cible qu'on met dans le dos. Et vos amis de Charlie sont morts pour ça. Donc, je le rappelle. Et à la fois, comment vous arrivez à nous faire un spectacle où on est mort de rire? Ça, c'est une grande prouesse. Bah parce que je mets de la distance avec tout ça. Heureusement, là, j'en parle parce qu'on est sérieux, on est autour d'une table et j'en parle avec émotion. Mais sur scène, il faut prendre de la distance. Les gens ne sont pas là pour m'écouter venir. Ce n'est pas une tribune politique. C'est vraiment un moment où j'ai envie de mettre un miroir grossissant. Ah oui, il y a toujours de moi. Ouais. Mais je mets un miroir grossissant sur tout ça. Il y a du courage physique quand même. Léa a raison, il y a du courage dans ce que vous faites. Il peut y avoir des conséquences. Vous pratiquez un humour plein de nuances et de deuxième ou troisième degré. Qui tombait entre les oreilles de quelques abrutis qui ne connaissent pas. C'est pas la peine de leur rappeler. Non, mais le courage dont vous faites preuve est réel. Vous dites le jour de Charlie Hebdo en janvier 2015, vous avez perdu votre légèreté. C'était vos amis, Charles et les autres. On se souvient à peu près tous en France de ce qu'on faisait au moment où l'info est tombée. Moi, je me souviens. L'info était égrenée. Oui, alors moi, je me souviens d'avoir entendu le journal de Laetitia Gaillet à l'époque sur France Inter, qui avait annoncé que la rédaction avait été attaquée. Et puis, comme il y avait eu des attaques avant. Il y avait des bombinettes. Ouais, on avait été assez légers dans les réactions à l'époque. Moi, j'ai laissé 10 messages à Charbon. Et ben voilà, c'était ça. C'était qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie un message pour lui demander s'il a envie? On envoie des textos. Et voilà, c'était une journée. C'était égrené surtout. C'est-à-dire que. C'était pas tout d'un coup, voilà, tout le monde est mort. Les noms on apprenait la mort d'un dessinateur tous les 10 minutes. C'est ça, voilà. C'était terrible. Cabu, et hop, Volinsky, ouais, et hop. Pourquoi je dis que j'ai perdu ma légèreté ce jour-là? C'est parce qu'en fait, c'était quelque part la chronique d'une mort annoncée. C'est-à-dire que ça faisait des années qu'on avait vu le truc se tramer sous nos yeux. Et quelque part, ce qui s'est passé avec Samuel Paty, c'est la même chose, mais sur un temps très court. Donc en fait, ce procès en islamophobie qui a duré 10 ans pour Charlie Hebdo, il a duré 10 jours pour Samuel Paty. Et en fait, on a laissé. Et on ne peut plus laisser. C'est pour ça que ça me met en colère et c'est pour ça que je le dis très fort. Et c'est pour ça que je suis très énervée après ceux qui continuent de taxer d'islamophobes, tous ceux qui caricaturent, tous ceux qui se marrent et tous ceux qui veulent avoir la liberté de se foutre de la gueule de tout le monde. Ouais. Ce spectacle est aussi une ode à la femme de 50 ans, ouais. Délivrée, libérée. Vous vous sentez très heureuse et très libre depuis que vous avez passé le fameux cap. Mais ouais, ça va. Je vous assure, ça va bien se passer, Léa. Je sais pas, moi, je flippe. Tellement bien. Vous verrez, Zaya, c'est vachement... À part les bouffées de chaleur. Oui, j'allais le dire. Alors, les bouffées de chaleur, c'est un truc que j'ai pas encore complètement maîtrisé. Alors, il paraît que certaines femmes n'en ont pas. Moi, j'en ai. Ah. J'en ai, j'ai oublié mon éventail en loge, et c'est très désagréable. Mais à part les bouffées de chaleur, il y a un truc où, effectivement, ne plus tomber en cloque, en fait, j'allais potentiellement. Dire, ne plus être obligé de prendre la pilule. Ne plus avoir ses règles, c'est un truc qui est libérateur. Ah, ça, je vous raconte pas. On est d'accord. Et alors, est-ce que la femme de 50 ans, vous êtes libérée, délivrée, tout ça, se sent encore désirable? Je dis ça pour Yann Moix, vous savez, vous vous rappelez ce qu'il avait dit sur la femme de 50 ans? Si, je me souviens très bien. La plus grosse connerie. Non, c'est pas la plus grosse connerie, mais c'en est une belle. Non, non. Il y a toujours eu un malentendu sur cette histoire. J'avais dit que dans cet article, cette interview qui a été dévoyée, que à l'époque, je faisais l'apologie de la différence d'âge. Et comme j'avais 50 ans, la nana en a déduit que par le coup, je ne pouvais pas désirer des femmes de 50 ans. Mais je veux dire un truc, Léa. Est-ce que vous désignez tous les êtres humains que vous rencontrez sous l'angle de la sexualité? C'est pas parce qu'on ne désire pas une femme qu'on ne la respecte pas et qu'on ne l'aime pas. Les gens que vous côtoyez ne sont pas toujours assimilables par le prisme du désir sexuel. Je suis désolée. Et on n'est pas responsable de ses goûts et de ses préférences sexuelles. Ben, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais été
J'avais pas du tout été choquée par vos propos et je trouve qu'il a bien, le droit de désirer qui il veut, et c'est plus... son problème et c'est le problème des filles avec qui il sort. Enfin, je veux dire... puis... Mais en revanche, toutes ces femmes qui envoyaient des photos d'elles en disant « Mais regarde, elles sont belles mes fesses, regarde moi, je suis bonne », j'ai trouvé ça anti-féministe en fait. Exactement. Ah, vous j'ai avez trouvé eu ça tout très ça mais oui, mais attendez, il y a autre chose qui est choquant. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est que je suis quand même pas Mick Jagger et toutes ces femmes disent « Oh zut, il aime pas les femmes de plus de 50 ans, mais comment on va faire ?» Non, il n'y a pas trop choqué. Alors, non, je crois pas que c'était une question. Zaya, Zaya Dehar. Non, mais c'est marrant. Qu'est-ce que ça peut leur faire C'est pas très grave. Mais en même temps, ce que vous aviez dit, c'était très intéressant. Vous aviez dit tout haut ce que beaucoup d'hommes pensent très bas, finalement. Et parce que les hommes, pour eux, on a une date d'expiration. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Non, mais c'est vrai, c'est assez présent dans l'idée pas du coup. Pas tous, Zaya. Majoritairement, quand même. Bah, majoritairement, c'est les cons. Zaya, c'est les cons. Zaya, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Parce que... Les cons, il y en a beaucoup. Oui. Non, mais Zaya. On est d'accord. Zaya, il y a deux choses. D'abord, il y a des gens qui préfèrent les femmes beaucoup plus âgées. Et il y a aussi des femmes... Ils sont moins nombreux. Il y a aussi des femmes qui adorent les hommes beaucoup plus jeunes. Brigitte Macron, etc. Et celle-là... Parce que moi, je suis un Brigitte Macron homme. C'est tout ce que je suis un Brigitte Macron homme. En plus, c'est pas tout à fait vrai, Yann. Et en plus, c'est, et en plus, vous mentez. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est... Non, mais Christophe... Vous tapez des femmes de 50 ans. Non, mais Christophe... non, mais Christophe... Vous qui avez déjà fait des interviews, des gens, il s'est passé exactement ce que dit là, c'est que j'étais tellement été prisonnier d'un truc que j'ai pas dit que le plus simple a été pour moi de faire comme si. De faire comme si parce que j'en avais marre de m'expliquer. En fait, je n'ai jamais dit ça, effectivement. Je me tape des femmes de 50 ans, tout le monde le sait. Et puis après ça. Ah non, t'as pas. Ah non, mais si, c'est pas sa vrai. Femme, elle avait 49. Non, c'est pas vrai. Non, mais la vérité, Christophe, c'est que parfois, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Quelqu'un dit de vous quelque chose qui est un peu vrai, mais pas complètement. Et donc, par paresse, vous dites, vous endossez le truc, elle est très bien, je prends, et puis on en parle. C'est comme ça que. C'est ça que vous avez dit. Mais il faut se battre, il ne faut pas accepter, enfin. Mais moi, Yann. Je ne suis pas communiste dans l'âme. Mais en revanche, à l'époque, ce qui était frustrant, c'est qu'il y avait. On ne parlait pas du désir des femmes, on parlait que du désir de Yann Moix. Mais oui, on parlait que du désir de Yann Moix. Alors qu'on ne parlait pas. Mais oui, parlons du désir des femmes. Tiens, alors, il y a un truc qui m'a. Stupéfait, c'est que vous êtes très copine avec Christina Cordula. Oui, oui. C'est vrai, c'est votre grande copine. Oui, oui, on se connaît. En fait, on a un ami commun qui est réalisateur, qui est Gilles Marliac, qui a réalisé les images. Quel âge est-elle? 28. C'est un non, il est secret défense, là. Et surtout, Christina. Elle a un petit message pour vous. Non. Ici. Sophia, ma chérie, bravo pour ton spectacle en ce moment. J'ai hâte de le voir. Mais là, j'ai une petite question à te poser. Sois honnête, ma chérie. Réponds du fond de ton cœur avec toute sincérité. Vraiment, on a tous les droits de savoir. Réponds-nous devant tous les Français qui te regardent en merde. Ce moment. Est-ce qu'elle est sympa, Léa Salamé? Non, c'est une connasse. On est deux à pouvoir répondre. Léa, c'est à vous de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que tout le monde nous pose cette question? C'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, on embrasse Christina Cordula. Mais oui, on l'adore. Et on va vous voir au studio des Champs-Élysées. Au studio des Champs-Élysées, ça s'appelle Le Monde d'après. Et tous les lundis à 8h55 sur France Inter. Dans quelques minutes, le retour de Philippe Cavrivière. Mais d'abord... Pas une rentrée littéraire sans un livre de Yann Moix. Et c'est plutôt pour le bien, je trouve. L'année dernière, on vous avait reçu pour le dernier tome de votre autobiographie. Ça, c'est la première fois que vous sortez votre journal. C'est le premier tome, un tome qui recouvre une année entière, de juin 2016 à juin 2017. À l'époque, vous étiez, et les téléspectateurs s'en souviennent très bien, à cette place, le samedi soir, vous étiez sniper avec Laurent Ruquier pour l'émission Laurent Ruquier. Bon, alors, ce n'est pas l'année où on était ensemble, non. Par contre. C'est l'année d'après. J'ai eu de la chance. Vous étiez ensemble? Oh là. Pardon. Non, non, mais... non. J'aurais jamais dit du mal de vous, de toute façon, vous le savez. Bien sûr, bien sûr. Donc, heureusement, je n'étais pas sur le truc. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais... Arrêtez de faire croire quoi que ce soit, j'adore Léa, c'est de notoriété. Ah, mais je vais lire ce que vous avez attends, écrit, attends, alors. Après. 1200... On s'en fout de moi, là. Non, mais je veux bien, oui. 1200 pages de portraits, il y a vos admirations, il y a vos détestations, des portraits brillants, parfois outranciers, parfois excessifs, parfois faux, parfois impitoyables. Un journal, hein. Notamment quand vous déboulonnez Patrick Modiano et Marguerite Duras. Mais c'est subjectif et vous revendiquez votre subjectivité. Donc je ne vais pas vous dire que vous vous trompez. Ah, mais que Modiano, c'est merveilleux. Marguerite Duras, on peut, c'est très facile d'expliquer pourquoi.
C'est une femme qui, pendant la guerre, travaillait à la Propagandastaffel, où c'est elle qui jugeait du tonnage de papier qu'on donnait aux écrivains, aux éditeurs, en fonction de leur judéité ou pas. Et c'est elle, et peut-être que Fabien Roussel pourra le vérifier dans les archives du Parti communiste, qui, une fois qu'elle a fini et achevé sa période péténiste et collaborationniste, s'est fait nettoyer le CV par les amis de Staline. Alors, ça est vérifiable, alors, hein. J'ai rien inventé. C'est documenté, ça refroidit sur Marguerite Duras. C'est tout à fait documenté. Oui, et mais enfin, vous savez très bien que son mari, son compagnon Robert Antelme, était au même moment dans les camps. Non, pas qu'elle au même moment écrit, après. Non, qu'elle pas a écrit moment, un livre bouleversant moment. Qui s'appelle La douleur, où elle raconte alors, le déchirement. Pas au même moment et après. Et Robert Antelme a aussi été le porte-coton de Pierre Pucheux, qui était une des éminences grises du régime de Laval. Et non, mais... Je veux bien qu'on dise tout le temps, Céline, faut-il distinguer l'homme et l'œuvre ? C'est un sujet passionnant. J'aimerais que de temps en temps, on dise, Marguerite Duras, peut-on distinguer l'homme et l'œuvre ? Et si ça vous intéresse, mon cher Christophe, vous pouvez aller voir un livre de 1941, publié chez Gallimard, signé par Marguerite Donadieu, qui explique que les colonies, c'est fantastique, et que les Noirs, n'ayant pas un cerveau comme le nôtre, c'est tout à fait normal qu'on continue à les exploiter. Et c'est bien de la même Marguerite Duras qu'on parle. Tout ce que je dis... est strictement vérifiable. Donc au bout d'un moment, Marguerite Duras, on a le droit de dire aussi... Que c'est de la merde. Stop. Et comment plus ? Alors humainement, je ne l'aime pas, mais comme littérairement, ça me tombe des mains. Ça, c'est subjectif. Subjectif. Donc, non, mais les deux... Non, humainement, c'est compliqué. On peut aussi trouver que ce qu'elle a fait pendant la guerre n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas mon cas. Yann Moix, il y a aussi quelque chose qui traverse, au-delà des portraits, on va parler des portraits, qui sont très réussis, même quand ils sont très méchants, parce que c'est votre talent, c'est-à-dire... vous avez une manière de croquer les choses et de dire les choses qui n'existent plus aujourd'hui, où on fait attention à chaque mot qu'on dit. Ben, dans ce livre-là, vous y allez. Mais il y a quand même quelque chose, c'est cette passion, je dirais cette obsession pour le judaïsme. Alors, c'est un fil rouge. Alors, je n'aime pas le mot obsession pour des raisons évidentes. Oui, enfin, quand on lit le livre, c'est une page sur un fil rouge. Un fil rouge, je suis d'accord. J'aime pas le mot obsession parce que pour moi, un philosémite, c'est un antisémite à l'envers, inversé. Ça veut dire qu'obsession, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même... Non, mais ça aurait pu s'appeler du malheur de ne pas être né juif, quoi. Je trouve qu'il y a... Mais il a même écrit une phrase, pardonnez-moi, je vais être obligé de vous interrompre, parce que je veux dire, c'est la première fois que j'ai lu autant... Je vous en prie. Ça vous a plu ? Non, je réfléchis vraiment. Non, parce que d'abord, ça n'est pas mon métier. Je ne suis pas armé pour discuter avec lui, littérairement parlant, bien évidemment. Bah oui, parce que j'ai quand même plein de choses à dire. Donc forcément, c'est que ça... Oui, ça m'a accroché. Je vais être obligé de revenir sur un truc. Il ne faudra pas m'en vouloir. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez une dette à payer. Parce que c'est tellement, parfois... Alors, je sais que c'est un journal. Donc, le style du journal, c'est que, voilà, je jette au moment où j'ai la pensée. Mais c'est quand même très, très, très fil rouge. Je n'ai pas compté le nombre de mots juifs que vous avez mis dedans. Il y en a peut-être une centaine, au moins, peut-être plus même. Ça revient. Et il y a un moment, on se dit, est-ce que ce n'est pas un peu trop, in fine ? C'est un journal intime, donc en fait... Parce que tu dis, pardon, je vous interromps, et après je vais vous parler, parce que vous dites, on m'a probablement baptisé pour m'empêcher d'être juif, je ne suis pas juif, mais je suis juif, car en fait, on ne se sent pas juif, on est juif, et moi, je suis juif. Or, on sait, et là, je suis navré de te le ressortir, en 2019, quand l'Express a sorti, pardonne-moi, juste, je finis, ces écrits que vous avez eus quand vous aviez 20 ans, qui étaient... Je suis obligé, puisque... Mais oui, mais d'accord. Vas-y. Non, parce que je te vois faire la tête, alors... Non, pas du tout. Non, bon, d'accord. Ces écrits, quand vous aviez 20 ans, qui étaient des propos antisémites, négationnistes, et un peu, enfin, totalement dégoûtants. Alors, il y a là-dedans du vrai et du faux. Le vrai, c'est que la pensée juive m'intéresse pour une raison que beaucoup de collégiens, de lycéens pourront comprendre. Moi, j'ai fait maths sup, maths spé, mais j'étais pas bon en maths. Parce que dans la pensée cartésienne, européenne, il y a un système hypothético-déductif, mathématique, de logique, qui n'était pas fait pour moi. Quand j'ai commencé à étudier, notamment le Talmud, etc., je me suis aperçu qu'il y avait une autre forme de pensée, la pensée en escalier, c'est-à-dire par association d'idées, par... La même, par exemple, qui préside aux commentaires composés en français, où il y a une sorte d'esprit de finesse, mais pas un esprit de logique. Et je trouve qu'en France, on fait beaucoup de place à l'esprit de logique, les mathématiques, les études d'ingénieur, et pas toujours à l'esprit de nuance, qui nous manque aujourd'hui tellement dans la société, à l'esprit de finesse, où la compréhension fine d'un texte est au moins aussi importante que de savoir faire des équations mathématiques, l'un n'étant pas inconciliable avec l'autre. Il y a des gens qui ont tout. Première chose. Deuxième chose, c'est un journal intime. Donc je ne m'amuse pas. D'abord, je ne savais pas que j'aurais la polémique 4 ans plus tard. Donc je ne m'amuse pas à dire « Ah, ça, je ne vais pas le dire », etc., puisque je ne savais même pas s'il allait être publié. Je jette tout ce que j'ai envie de dire au moment où je le dis. Et la troisième chose, et ça, c'est vrai que j'en ai un petit peu marre de l'expliquer,
Lorsque cette polémique est sortie, ils ont évidemment essayé de faire un effet zoom sur un petit magazine de bande dessinée que je faisais, où je me moquais des Juifs et de la Shoah. C'était pas très intelligent, mais il y a 4 autres numéros où je me moquais de la faim dans le monde, où je me moquais de l'esclavage, où je me moquais des handicapés et où je faisais l'apologie des serial killers. Ce qui a biaisé cette polémique, c'est que si on avait sorti, j'ai demandé à l'Express de le faire, mais ils n'ont pas voulu, les 4 numéros en même temps, on se serait dit, voilà un mec mal dans sa peau qui essayait de se faire détester par tous les pans de la société. C'est-à-dire, vous étiez con à 20 ans, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, et je veux dire... Oui, on peut être con sans être antisémite. Mais je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas. Je me suis amusé à me moquer de tous les sujets tabous de l'époque. Mmh. Si j'avais été antisémite, j'aurais fait 4 numéros essentiellement destinés à ça. Qu'est-ce qu'il y a de juif en vous, Yann Moix? Le fait d'avoir sans doute, mais alors c'est une explication qui peut être évidemment déboulonnée par qui voudra, peut-être le fait d'avoir été martyrisé chez moi quand j'étais enfant, où je me suis senti le juif de ma famille, d'une certaine façon. C'est une amie psychanalyste et juive qui m'a expliqué ça. Judith Cohen-Solal, que je salue, c'est un peu ma sœur. Et elle m'a dit, ce qui est juif en toi, c'est le fait de ne pas avoir pu te raccrocher à quoi que ce soit pendant toute ton enfance, d'être persécuté, d'être traqué. Chez moi, il n'y avait aucun endroit où je pouvais être en sécurité. Et peut-être que c'est le lien, peut-être un peu facile et simpliste que j'établis entre cette obsession, comme vous dites, et... Paul de Saint-Sernin, Paul de Saint-Sernin. Est-ce que la prochaine fois, vous pouvez répondre de manière plus circoncise? Elle est bonne, celle-là est bonne. Mais vous n'avez pas réécrit le journal? C'est une publication... Non, l'idée, c'est que, par exemple, il y a des portraits, il y a des gens que j'assassine et je ne pense plus à d'eux. Qui, par exemple? Par exemple, Ségolène Royal, je me suis trompé sur elle, mais alors, radicalement. Alors, Ségolène Royal, voilà ce que dit Yann Moix sur Ségolène Royal. En 2016. Je lis après. En 2016, vous avez raison. Par honnêteté intellectuelle, je l'ai laissé. Mais dans le tome suivant et celui d'après, je dis des choses qui sont le contraire de ça. Mais par honnêteté, je l'ai laissé. Mais c'est ça un journal, c'est de dire qu'au moment T, en 2016, voilà ce que vous dites sur Ségolène Royal. Ce qui frappe d'abord et avant tout chez elle, c'est son absence à peu près totale d'humour. Elle prend tout au sérieux et lorsqu'elle plaisante, c'est sur un mode qui rappelle peu ou prou le cours moyen de deuxième année. Elle est anguleuse, elle est rêche, je doute qu'elle soit gentille, une tueuse à vrai dire. Elle est intolérante ou plutôt non, elle est sectaire. Et puis ce mystère total, absolu, impénétrable. Comment peut-on choisir François Hollande comme conjoint? Alors, je garde la dernière phrase, par contre. La question, je... Moi, je ne la valide pas. Okay. Allez, photocall. Là, on vous a pris certains des portraits. Ouais. Je vous mets les images et vous nous racontez. Vous leur posez une question. D'accord. Vous nous dites ce que vous dites. Ah oui, allez. C'est plus pour lui. Une question ou un commentaire? Comme vous voulez. D'accord. Nicolas Sarkozy. La chance. Alors, Nicolas Sarkozy... Il est jaloux. Non, mais je vais vous dire une chose sur Nicolas Sarkozy. Indépendamment de toute considération politique... Oui, mais vas-y doucement, s'il te plaît. Non, indépendamment de toute considération politique, je signe ce que je vais dire. Nicolas Sarkozy est irrésistible. D'humour, de drôlerie et de Louis de Funesserie. Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, j'aimerais quand même lui poser une question. Est-ce que le fait de détester à ce point les Noirs et les Arabes doit obligatoirement être associé avec le fait de regretter que Claude Sautet ne fasse plus de films? Roselyne Bachelot. En gros, on a le droit de dire c'est dommage que Claude Sautet ne fasse pas plus de cinéma, vu qu'il est mort. Mais un mec qui regretterait de ne plus pouvoir voir Yves Montand au cinéma ou n'importe quel film de Claude Sautet pourrait très bien ne pas penser la même chose qu'Éric Zemmour sur les Noirs et les Arabes. Vous dites que c'est un systématique, c'est ça son problème? C'est un systématique. Moi, il faut que je prenne des notes parce qu'à des moments, c'est comme dans le bouquin, parfois je suis perdu. Roselyne Bachelot. C'est pas la pensée cartésienne. Alors, Roselyne Bachelot, elle a une grande qualité que je partage avec elle, c'est qu'elle est née à Nevers. Et pour moi, les gens qui sont nés à Nevers sont des amis. Ouais, et il y en a qui sont nés comme vous à 9h30, je croyais, moi. Mais... Non, mais je la signe et je vous embête. Voilà. Et je vous emmerde. Ah ouais, ouais. Non, j'ai dit, je vous embête. Michel Houellebecq. C'est un génie, c'est un immense écrivain, et ce que j'aime chez lui, c'est son sens de l'humour. C'est-à-dire que je crois que les très grands écrivains ont toujours beaucoup d'humour. Et c'est même à ça que je les reconnais. BHL. Ah bah Bernard-Henri Lévy, je lui dois tout, c'est un peu mon grand frère. Il m'a mis le pied à l'étrier quand je suis arrivé à Paris. Et il n'est pas le seul. J'ai aussi notre ami Christophe de Chavannes ici présent qui m'a fait faire mes premières télés. Il ne faut jamais oublier les gens qui, lorsque vous êtes arrivé à Paris, que vous n'étiez à rien, vous ont tendu la main. Bernard-Henri Lévy en fait partie. Christophe en fait partie. C'est des gens
qui jusqu'à la fin de mes jours auront une place importante dans mon cœur, dans ma tête. Oh, Michel, bah c'est gentil, ça. Non, mais tu me méfies. Quand même balancer, je me méfie quand même, parce que mec comme lui qui dit ça, non. Ça attends sent le baiser de la mort. Attends le tome 4. C'est marrant parce que souvent la réputation qu'on a ne ressemble en rien à ce que vous êtes fondamentalement. La réputation qu'on a, on se la fait. Oui, mais les autres la font aussi à votre place. Un peu. Michel Onfray, Yann Moix. Michel Onfray est un ami et j'ai perdu beaucoup d'amis en disant la phrase « Michel Onfray est mon ami ben ». Oui. Il continue à l'être. Ça recommence ce soir. Hein. Un jour, il a dit à mon sujet une phrase qui m'a beaucoup touché. Il a dit « Si j'étais romancier, je serais Yann Moix ». Eh bien, si j'étais philosophe, peut-être que je serais Michel Onfray, qui sait. Emmanuel Macron, il n'est pas dans le livre parce que c'était 2016-2017. Si, il aurait pu parce que lorsqu'il était élu... je vais vous dire une chose. J'ai la chance de connaître un tout petit peu Brigitte Macron. Et je me dis qu'un homme qui est tombé amoureux d'une femme aussi subtile, cultivée et intelligente ne peut pas être mauvais. Voilà ce que je dis. Marine Le Pen. J'ai pas envie de dire fondamentalement ce que j'en pense, parce que j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de ces gens qui, à longueur de journée, souillent quelque chose qui pourrait être difficile mais agréable à vivre, c'est la vie ensemble. C'est-à-dire, pas vivre ensemble au sens bobo idéal du terme, hein, la République. Qui est un lieu fait pour que toutes les expressions puissent avoir droit de cité, dont la sienne. Mais le problème de la démocratie, Léa, c'est qu'elle porte en elle les germes de sa propre mort. Virginie Despentes. Grand écrivain. Je regrette, un peu comme vous, de ne pas être plus son ami dans la vraie vie. Comment ouais, je l'ai bien dans mon journal. Non, mais ah dit, oui, c'est vrai que vous dites que vous regrettez. J'aurais bien aimé être plus pote avec vous. Oui, enfin, t'écris d'autres choses. Hein. Donc, je viens. Ah si. Mais tiens, je me suis dit quand même, pourquoi il invite ce garçon? Moi, je vous aime beaucoup, Yann Moix. Mais quand même, laissez-moi 20 secondes. Oh, il est vénère. Non, laissez-moi 20 secondes. Mais non, parce que c'est là. Mais hein. Qu'est-ce qu'il a? J'arrive, mon fils, j'arrive. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a le côté, c'est un petit peu la douche écossaise. Il y a un petit côté sympathique, gentil. C'est toujours comme gentil, ça avec lui. Il y a un quota tendresse et un coup de griffe. Laissez-moi parler, puis taisez-vous deux secondes. Je me tais. Plaît, parce que ça vous concerne directement. Je ne veux aucun commentaire, s'il vous plaît. Allez-y. Léa est là, qui semble me bouder. Je l'aime bien. Elle m'amuse. Léa Salamé est une fille intelligente et terriblement maligne. Jusque-là, tout va bien. Taisez-vous. Jusque-là, tout va bien. J'ignore si elle est terriblement maligne. Non, mais je peux dérouler. Elle est faite pour les médias, elle n'est dupe de rien, toujours située au second degré dans la vraie vie, mais sachant immédiatement, quand elle est sur un plateau et devant une caméra ou un micro, retrouver le premier degré qu'aiment tant les gens. Je ne sais pas si c'est gentil. Son jeu favori consiste à crâner face à sa hiérarchie qu'elle feint de ne pas craindre. Bien qu'alignant les leçons de morale dans sa matinale sur la radio nationale, et là vous allez bien m'écouter, elle n'a rien de commun avec la gauche, elle possède un je ne sais quoi d'ultra-réactionnaire, et parallèlement elle parvient, en dormant tous ses ennemis, à incarner une manière de coolitude. Elle calcule subtilement les risques avant de se lancer. Régulièrement, elle me demande de faire la peau à tel ou tel artiste boboïdal qu'elle exècre, mais qu'elle se doit d'encenser au prétexte que c'est un chanteur, un acteur ou un réalisateur France Inter compatible. Elle m'envoie... Excusez-moi, je finis. Parce que ça, c'était le côté gentil. Hein. Elle m'envoie aussi ainsi au casse-pipe. Vous voyez comme je suis sympa. Je l'invite. Ce qui m'est parfaitement égal. Comme un ego suicidaire, je m'exécute. Je lui laisse volontiers croire qu'elle me manipule. Motif chez elle de jouissance. On s'entend bien. Maintenant, moins gentil. Je suis libéré. J'y vais, je suis désolé, mec. Mais enfin, vous êtes là. Arrête de t'excuser de ce que j'ai écrit. Oui. Je me suis dit, il est gonflé de venir quand même, le mec. Non, elle est surtout extraordinaire de m'inviter. Non, mais elle n'avait pas lu. Si, j'ai lu. Vous ai lu, en tout cas. Je suis libéré de Léa Salamé qui m'étouffait, mais j'ai bien voulu me laisser étouffer par elle, mais disons-le, nous n'étions pas compatibles. Mais il faut savoir une chose. Ça, quand tu commences comme ça, ça pue du cul. On en revient toujours à la même chose, c'est un journal. Et si j'avais voulu changer quoi que ce soit, c'était facile de l'enlever, ce petit passage. C'est vrai. Simplement, le jour où j'ai écrit ça, je devais le penser. Mm-hmm. Et je veux dire, c'est ça qui est fascinant quand on lit les journaux intimes des écrivains qui sont morts il y a 50 ou 70 ans. On se dit, comment est-ce que Mauriac a pu être aussi odieux avec Gilles alors qu'il lui a envoyé des lettres fantastiques d'amour? Parce que ce jour-là, j'ai dû penser, putain... La Salamé commence vraiment à me gonfler. Ouais. Mais le lendemain, j'aurais peut-être demandé en mariage, mec. D'accord. Les trois dernières photos, Thierry Lennon.
Cyril Hanouna, homme intelligent, fiable. Je ne dirais pas que c'est un ami parce que je le vois très peu. Mais lorsque j'ai été dans une situation extrêmement délicate, il fait partie des gens qui m'ont tendu la main et je ne l'oublierai jamais. Muriel Robin. Muriel Robin, immense comédienne qu'on aimerait voir un peu plus souvent au cinéma. Malheureusement, on en a parlé. Je sais. Et pour moi, ça aurait été un génie comique extraordinaire au cinéma, mais il n'est pas fini, trop tard. C'est pas fini. Il n'est pas trop tard. C'est quelqu'un que j'adore. Fabien Roussel. Fabien Roussel, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a complètement déverrouillé un parti communiste qui était à l'agonie et qui, depuis qu'il est là, renaît quand même de ses cendres. Yann Moix, en face de vous, vous lui dites quoi? Du Qatar. C'est pas lui. Quitte à vous surprendre, c'est vraiment pas la personne qui m'intéresse le plus sur cette terre. Je m'intéresse même presque à tout le reste plutôt qu'à ça. Je voudrais juste un mot avant que tu quittes. Je veux parler de la jalousie avec lui parce que... Christophe, vous allez en parler dans une seconde, mais je dois libérer voilà. Sophia Aram. Merci vous Sophia Aram. Jalousie sur moi, je vous dis. Au studio des Champs-Élysées, le monde d'après. Merci Sophia. Très bon spectacle, on ira vous voir. Bonne soirée. Et je vous donne la parole. Oui, pardon. Non, la parce jalousie. Que, oui, parce que j'ai lu toutes les pages que vous avez écrites sur la jalousie. Donc la jalousie, c'est quelque chose qui est presque envahissant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une relation avec quelqu'un, vous devenez un homme jaloux. Quelle que soit la raison, soit c'est vous qui vous l'imputez à vous-même, soit c'est vous qui créez quelque chose. Vous êtes là même à dire dans ce bouquin que si vous créez cette jalousie, c'est une connerie. Parce qu'en gros, il y a un adversaire qui n'en est pas vraiment un, mais comme vis-à-vis de cette femme, vous allez être... over jaloux, eh bien vous allez montrer à cette femme que lui peut avoir de l'intérêt, même s'il n'en a pas, etc. Et que, au fond, ce sentiment prédomine et finit par être envahissant pour tout le monde, si je comprends bien. Et je voudrais juste dire un truc un peu complique-man, c'est que dans toutes les relations, dans toutes les interviews, dans toutes les statistiques, la majorité des fois où les femmes sont sous emprise, elles sont sous emprise d'un homme qui, en général, est un jaloux. Et je me suis dit... Est-ce que cette jalousie fabriquée par Yann n'amènerait pas quelque chose qui serait plus emmerdant pour elle et non pas pour lui? C'est finalement d'avoir une forme d'emprise sur cette femme. Alors, sur la jalousie, d'abord, une chose, c'est que les jaloux sont toujours des complotistes. Tout fait sens. Tout. C'est-à-dire, tout est le contraire de tout. Si vous avez décidé d'être jaloux, vous le mettez dans le puzzle de votre jalousie et la pièce manquante est n'importe laquelle, mais ça marche. Si la personne dont vous êtes jaloux est là, alors vous la suspectez qu'il y ait quelqu'un avec elle la semaine d'après. Si elle n'est pas là, c'est que vous la suspectez avec un autre. En fait... Là, vous parlez de vous. Le jaloux en général. Mais moi, je parle de vous. Oui, oui, d'accord. Je pense que la jalousie est quelque chose qui fait semblant de se guérir, mais ça ne se guérit fondamentalement pas. Donc, ce que j'arrive à faire, moi, mon cher Christophe, j'arrive à ne pas communiquer cette jalousie, c'est-à-dire que j'arrive à la garder pour moi comme une espèce de chose qui me ronge. C'est pas mais, tout à fait ce qui est écrit. Mais... Si vous ne me laissez pas terminer. D'accord, mais c'est pas ce qui est écrit. Il y a toujours un moment où le monstre est obligé de sortir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous crève le bide et la jalousie sort comme une sorte de chien enragé. Donc vous pouvez tricher un certain temps, mais votre vraie nature finit toujours par ressortir. Et effectivement, arrive un moment de blocage dans la relation où vous suspectez l'autre 24 heures sur 24. C'est d'ailleurs tout le sujet de la recherche du temps perdu de Proust. Et le problème du jaloux, c'est qu'il a toujours raison. Le problème du jaloux, c'est qu'il a toujours tort. Et avoir raison et avoir tort sempiternellement et constamment et en même temps, c'est très mauvais pour la santé. Des deux. Des deux, j'allais le dire. Yann Moix, Hors de moi, dans la collection bouquins, journal, premier tome. Il y en a 8 autres qui vont suivre, qui sont déjà écrits. Vous reviendrez. Merci Yann. On accueille Philippe Cavrivière. Il est beau, il est beau. Hein. Vous vouliez revenir sur la rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François en marge de la visite du Saint-Père à Marseille. Oui, ils se sont entretenus 30 minutes et en une demi-heure, ils ont réglé le problème de Lampedusa, de l'euthanasie, du Haut-Karabakh, de l'Ukraine et des punaises de lit. Enfin, le Haut-Karabakh, je crois, je suis pas sûr. Oh non, c'est des vrais sujets importants, mais je sais pas moi... T'as une demi-heure avec le pape, tu poses des questions plus liées à la spiritualité. Moi, j'aurais demandé, est-ce que Dieu vous parle? Comment il vous parle? Est-ce qu'il est plus messages vocaux? Est-ce qu'il est WhatsApp, Dieu? Est-ce que Dieu... Ah, message de Dieu. Comment ça va tes genoux, mon François? Tu vois, sympa, Dieu, quand même. D'autres questions?
est-ce que la chasteté, ça continue là-haut pour lui? S'il a passé 86 ans sans ken, quand même. C'est long. Et là, s'il se prend l'éternité derrière... Non, et la question, il y a une question qu'on a envie de poser au pape, parce qu'il habite Rome. Est-ce que avec le blanc, c'est pas super chiant avec les spaghettis bolognaises? Est-ce que tu t'en fous pas partout? Ça, c'est des vraies questions, voilà. Le pape a réaffirmé ses positions. Il est pour l'accueil des migrants et toujours contre l'avortement. On ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin. Exactement, ouais, le pape est contre l'avortement et c'est bien normal, on peut le comprendre, parce que si la Vierge Marie était allée, par exemple, chez le docteur Cohen, qui est un gynécologue bien connu du côté de... On a retrouvé, qui était à Bethléem, sauf le vendredi et le samedi, naturellement, ben, il n'y aurait pas eu le christianisme. Voilà, si elle avait fait avorter le petit Jésus. Et du coup, ben, le pape, il serait en ce moment à Buenos Aires, avec sa meuf, en train de regarder Motus. Selon une enquête, 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite. Oui, un sondage dans lequel on a interrogé que des juifs, comme par hasard. Toujours à se mettre... Non, mais je relativise. Il faut toujours qu'ils se mettent en avant, ces gens-là. Alors, le sondage, 91% des étudiants étaient victimes d'antisémitisme à l'université. Hein, j'ose espérer qu'il n'y a pas d'antisémitisme à la maternelle, par exemple, parce que de toute façon, ils ont un trop petit kiki. On ne peut pas voir qui est circoncis ou qui ne l'est pas. Et en même temps, ce n'est pas une activité d'aller voir le kiki des enfants pendant la sieste. Enfin, je ne crois pas. Bah, pas pour les enfants. Non, pas pour les enfants. Ce qu'il y a, c'est que les jeunes, en ce moment, ils aiment le vintage. Ils aiment acheter des vêtements dans les friperies. Ils aiment quatre bouches. Et ils sont antisémites, en fait, comme leurs aînés. En fait, là, on se rend compte que la mode, c'est un éternel recommencement. Ça revient à la mode, l'antisémitisme. Voilà. Et chers téléspectateurs antisémites, quand même, ceux qui veulent essayer de se soigner, de se nettoyer un peu de l'antisémitisme, moi, ce que je conseille, c'est la lecture de Boris Cyrulnik, l'immense Boris Cyrulnik, qui a dit « Je ne savais pas que j'étais juif, je l'ai appris le jour de mon arrestation ». Une belle phrase. Et Boris a aussi dit « Bordel, Florence, il n'y a plus de PQ, je t'avais dit de reprendre du Super U ». Comme quoi, on peut être un grand penseur et puis être dans le quotidien aussi. On embrasse Boris. C'est après... là. C'est lunaire. C'est lunaire. On se demande d'où ça vient. Ben oui, de nulle part. C'est du vécu, c'est du vécu. Après l'antisémitisme. Oui. L'homophobie, oui, la on ministre, passe une belle semaine. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a demandé des sanctions suite au chant homophobe des supporters parisiens pendant le match PSG-OM. Ouais. Ouais, alors en musique d'ambiance, on a hésité à mettre les chants homophobes ou la musique de l'OM. On va dire on va mettre l'OM. Alors évidemment, les supporters parisiens, bien sûr, ont tort. Tous les Marseillais ne sont pas homosexuels. Sinon, le pape ne serait pas venu au Vélodrome, déjà. Première chose. Donc, mais voilà, bon, bah, c'est le foot. Voilà, le foot, c'est des joueurs, et c'est 22 joueurs qui se partagent un seul ballon. Et puis, c'est 5000 supporters qui se partagent un seul neurone. Sauf Paul de Saint-Cernin et Pascal Obispo. Voilà. C'est les deux qu'on sauve. Mais alors, il y a de l'homophobie dans le foot, mais c'est assez curieux. Il y en a assez peu dans les arts martiaux. On a rarement vu un spectateur d'art martial dire, tu vois, il y a très peu jamais entendu « Teddy Riner, Tarlouze !» Jamais. Tu vois, t'as jamais entendu « Le banner, grosse tapette !» Et là, tu vois, faut pas qu'ils isolent le moment et qu'ils envoient la vidéo à Le Banner, par exemple. S'ils envoient Le Banner, grosse tapette, moi, je suis mal. Voilà. Au revoir, Philippe. Bon, il faudrait qu'il débute du sketch. Non, alors, on se demande pourquoi il n'y a pas d'homophobie dans les arts martiaux. Peut-être un peu de lâcheté de la part de l'homophobe, peut-être. Alors, dans le rugby, par contre, en revanche, il n'y a pas d'homophobie non plus. Ils ont même une virilité assez sensuelle. Ben, on a tous vu les calendriers du stade. Ou ben il voilà il est viril mais il est sensuel, il cache son zboub avec un non il a qu'une couille ah, peut-être. C'est peut-être une maladie effectivement et voyez je vous en prie une bonne vanne très bonne vanne ouais, j'avais pas vu. Et non mais c'est vrai que alors qu'il n'y a pas les dieux du ping-pong parce qu'ils peuvent pas tu vois ben, voilà on dira ah tiens il a trois couilles non il a qu'à chaque couille. On termine avec Gérard Depardieu, qui a vendu aux enchères sa collection d'objets d'art chez Drouot.
Ouais, notre Gégé Depardieu est un collectionneur. Il collectionne les œuvres d'art, les plaintes contre lui et les accidents de scooter. Sa collection est impressionnante. Elle a été vendue autour des 4 millions d'euros, je crois. Bon, c'est que la moitié du prix de sa cave, c'est pas fou non plus. Alors, d'autres objets de personnalité ont été mis aux enchères. Un magnifique peigne à pubis de Freddie Mercury. y a aussi, ça c'est bien aussi, ça c'est, j'ai envie d'acheter, des épingles à lifting de Jacques Lang. Et un bavoir de Joe Biden, voilà. Et c'est une vraie info. Il y a eu à Drou, ils ont vendu un chapeau de Michael Jackson. Il a été adjugé 77 000 euros. C'est cher, mais il était vendu avec le slip de Macaulay Culkin. Donc, non, c'est bizarre parce qu'il a été innocenté, Michael Jackson. Voilà. Viens de moi que ça fait un très beau livre sur Michael. Merci, Philippe. Merci, à la semaine prochaine. C'est la fin. Quelle époque, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Je vous rappelle le nouvel album de Pascal Obispo, Le Beau qui pleut, avec le très beau single que vous nous avez interprété au début de l'émission, Comment s'aimer. Et vous êtes en tournée un peu partout, on n'oublie pas, à Amiens vendredi prochain jusqu'en février 2024. La scène musicale à Paris les 19 et 20 octobre. Zaya Dehar, votre film L'air de la mer rend libre, réalisé par Nadir Mokhnech. Ce sera mercredi en salle, film tendre et touchant, allez-y. Yann Moix, Hors de moi, le Moix comme on l'aime, qui est dans la collection bouquins. Sans filtre, évidemment, Sophia Aram qui nous a quitté le monde d'après au studio des Champs-Élysées à Paris. Merci Fabien Roussel d'avoir été avec nous. Merci à Paul de Saint-Sernin. Yann Moix, très très fort. Yann Moix, très très fort. J'avais un concurrent exceptionnel ce soir. J'ai admiratif. Oui. J'ai hâte de lire ton livre. Merci mon Christophe. Merci. Bravo à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez aller, bien évidemment, en pharmacie. Vous criez, sortez couverts. Et vous pouvez ressortir avec une boîte de préservatifs gratuite si vous avez jusqu'à 26 ans. N'hésitez surtout pas. Cassez les meubles, faites les fous et sortez couverts. Voilà. À la semaine prochaine, samedi. C'est relou d'être relou. Mets pas d'emoji dans les messages où on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes. Pressé d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Sois tout en dos, shot, remets une couche. Numéro 4, Dangerous. La mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert la taureau. Sale, 33